ko senga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu kasan ta presence me faut sentir limité devant l'ennemi mais dans ta présence Vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. I greet you all in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Je vois combien vous avez une grande joie. I see how you have a great joy. C'est parce que papa est venu. Because daddy is over. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas ici au courant de la semaine. For those who were not here during the week. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ah, and my wife, we greet you in the name of Jesus Christ. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated for a while. Merci à toute l'Église du plein Évangile. Thank you unto all the Church of the Full Gospel. Vos prières m'ont soutenu. Tout au long de mes voyages missionnaires. Your prayers support me during all my missionary trip. Et grâce à vous, je suis de retour. And thanks to you, I am back. Amen. Amen. S'il y a des gens qui sont venus pour la première formule de nous, if you have people who came for the very first time in the vous demandons de vous mettre debout, on veut juste vous saluer. May you stand up, we're going to greet you. Oh là là, il y a beaucoup de gens à acclamer très fort le Seigneur. Merci d'être venu. Thank you for coming. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ.
We have the church of the Lord Jesus Christ. Cette église qui a commencé à Jérusalem. The church started on through Jerusalem. Et cette église a chevauché. That church rides on. Il y a eu un moment où le diable voulait tuer cette église. A time the devil wanted to kill that church. Mais la semence s'est fouillée en terre. But the seed went into the. Et c'est sorti au jour de Luther comme la sanctification. And came up out the day of Luther like sanctification. Et après, il y a eu les gens de Wesley qui sont arrivés. And after people of Wesley came around. Avec la sanctification, with sanctification, les gens de la Pentecôte sont arrivés. People of the Pentecost come along. Avec la restauration des dons, with the restoration of gifts. Maintenant, nous sommes au temps de la moisson. Now we are in the time of the harvest. C'est le temps où la semence qui était tombée à terre est devenue mûre. Time where the seed fell on the ground become mature. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète pour préparer l'épouse à quitter la terre. That's why God sent us a prophet to prepare the bride to leave the earth. Son nom est William Marion Branham. His name is William Marion Branham. Nous ne sommes pas des branhamistes comme les gens le disent. We are not branhamists, our people used to call us. Nous sommes des chrétiens. We are Christians. Qui croient au message du prophète William Branham. Believe in the message of the prophet William Branham. Comme les gens de Paul. As people from Paul. Comme les gens de Moïse. The people of Moses. Et chaque fois que Dieu veut sortir son peuple d'une organisation, il envoie toujours un homme. Each time God wants to cast the people from an organization, He sends a man. Et nous croyons à la Bible. And we believe unto the Bible. Nous croyons en Jésus-Christ. We believe unto Jesus Christ. Et nous prêchons Jésus-Christ. And we do preach Jesus Christ. Vraiment, merci d'être venu. Truly, thank you for coming. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Et vous ne serez pas déçus. And you won't be disappointed. Prêtez seulement l'oreille et vous serez bénis. Just pay attention and you're going to be blessed. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Thank you, may God bless you all. You may be seated. Okay, nous allons prendre nos Bibles. Now we're going to stand for the reading of the book. Et nous mettre debout. Nous allons lire dans l'Ancien Testament. We're going to read into the Old Testament. Et nous prenons le livre de Proverbes. And we're going to take the book of Proverbs. Proverbes chapitre 1er. Proverbs on the chapter 1st. Le verset 7 au verset 9. From the verse 7 to 9. Et nous prendrons aussi Proverbes chapitre 4, premier verset. And also Proverbs chapter 4 unto the first verse. Et après nous allons dans le Nouveau Testament. And after we're going to go to the New Testament. Et là-bas, nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 2, premier verset au deuxième verset. Then we're going to take 2 Timothy to the first two and second. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Are you with me? Et nous allons lire. And we're going to read together. D'accord. Lisons tous, allons-y, 2, 3. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Amen. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Nous lirons à partir du premier verset. Also allons-y. From the first verse, let's go. 1, 2, 3. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Amen. Amen. Nous terminons enfin dans le Nouveau Testament. Also into the New Testament. Le livre de Paul into the book à Timothée. Paul to Timothy. De Timothée. To chapitre 2, le premier verset au deuxième verset. Amen. Amen. Allons-y.
Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Est-ce qu'on peut répéter? Allons-y. Yes, of course. Allons-y, répétez, premier verset, deuxième verset, allons-y. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Père bien-aimé, beloved Father, je te confie ces paroles que nous venons d'écouter. I trust into you the word we just listened, et que nous venons de lire entre tes mains. And we just read into thy hand. Et je vous demande, notre Dieu, and I'm asking you, our God, de nous donner l'interprétation. To give us the very interpretation. Lorsque tes enfants entendraient ce message, once your children will hear this message, que cela puisse donner à chacun la colonne vertébrale. Let it give unto everyone the spine back. Et je t'en supplie, Père. And I'm begging you, dear Father, que tu guérisses les malades. You may heal the sick. Que tu délivres les captifs. That you may set free the captive. Et que tu sauves les perdus. And you may save the lost. Et que tu manifestes ta gloire. And you manifest thy glory. Tes enfants sont à toi. Thy children belongs to you. Et nous nous consacrons. And we consacre to pour la réunion de ce matin. The meeting of this morning. Qu'elle soit meilleure. Let it be better. Et ayez la liberté de marcher dans ton église. And have the freedom of walking unto thy church. D'accomplir en nous tes œuvres, Seigneur. Of performing the work in us. Que personne ne soit faible parmi nous. Let no one be weak among us. Que tous ceux qui nous suivent à l'internet soient bénis au nom de Jésus-Christ. Let all watching through the internet be blessed in the name of Jesus Christ. Et répand ta grâce sur eux. And spread of your mercy upon them. Au nom de Jésus-Christ. Unto Jesus Christ's name. Amen. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Thank you very much, may the Lord bless you all. Alors, ce matin, je vais apporter un enseignement. Therefore, this morning, I will bring a teaching sur le discipulat. Upon the discipleship. Le discipulat. Là. The discipleship. Apporte-moi le tableau. Bring forth the board, please. Tableau, vous me mettez ça à côté ici. Amen. Amen. Le disciple là. The discipleship. Au courant de la semaine. During the week. Nous étions en train de parler sur la vision de Mont Horeb. We were talking about the vision of the Mount Horeb. Et là-bas dedans, j'étais en train de montrer à l'église du plein évangile. And I was showing unto the church of the full gospel. Ce que s'était passé en réalité au Mont Carmel, au Mont Horeb. What truly happened unto the Mount Horeb? Et je vous ai dit que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. I told you that Moses was feeding the flock of his father-in-law Jéthro. D'après ce que nous avions lu dans Exode chapitre 3. According what we read upon Genesis chapter 3. Recule ça un peu, je vais vous demander. Recule ça un peu, je vais vous le demander. Alors pendant qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, when he was feeding the flock of his father-in-law Jéthro, alors que c'était lui-même qui avait écrit les cinq premiers livres de la Bible, though he wrote himself the five first book of the Bible, il a écrit la Genèse, he wrote the Genesis, il a écrit l'Exode, he wrote the Exode. He told the vision he had upon the Mount Horeb. Et il parlait comme ce n'était pas lui-même. He talked as he was not himself. Et je vous ai montré que c'était l'humilité. And I showed you that it was humbleness. Alors Moïse a dit. Then Moses said.
Dans Exode chapitre 3, premier verset. On to Exode 3, first verse. Que Moïse faisait paître le troupeau de Jethro son beau-père. That Moses fed the sheep of his father-in-law. En soi, il devait dire je. Then you love say I. Amen. Mais il parle comme si c'était quelqu'un d'autre qui racontait la chose. Talking as it was someone else telling the thing. Et pourtant c'était lui-même. Though he was himself. Mais Dieu n'a pas appelé Moïse pour être le berger des troupeaux d'un païen. Dieu avait appelé Moïse. God called Moses pour qu'il soit le conducteur des enfants d'Israël. The leader of the Israelites. Pas des bêtes, not the beasts, mais des êtres humains. Le temps a besoin de l'amour du peuple. The gift need the divine love. Le temps a besoin que le peuple montre réellement qu'il aime ce don-là. The gift be shown to the people truly like him. Et le prophète dit, and the prophet said, le don c'est Dieu. The gift is God. Mais Dieu ne peut pas opérer sans un homme. But God cannot operate without a man. Et le don habite dans l'homme. And the gift dwell within the man. Vous ne pouvez pas aimer le don. You cannot like the gift. Et négliger l'homme qui porte le don. And neglect the man bearing the gift. Si vous avez de l'amour, if you have love, pour le don de Dieu dans l'homme, for God gave into the man, vous devez aussi aimer l'homme qui porte le don. You must also love the man bearing the gift. Parce que c'est une grâce pour vous. Cause it's a grace for you. C'est la miséricorde. It's a mercy. Pour le peuple. For the people. Vous pouvez ne pas comprendre ça aujourd'hui. You may not understand that today. Mais vous allez comprendre ça. But with the time, you will understand it. Et je veux un amen. Amen. Alors Moïse a eu une vision. Therefore, Moses had a vision. Où un buisson était en feu devant lui. Where a bush was on fire in front of him. Et il s'approchait pour voir. And he came close to see. Quelle était cette vision? What was that vision? Beaucoup de gens ont prêché Exode 3. Many people preach about Exode 3. Mais ils ne savaient pas exactement quelle est la révélation cachée dans la vision de la grande vision de Reb. They didn't know the meaning beneath the great vision. Voyez-vous? Don't you see? Le feu, the fire, était dans le buisson. Was in the bush. Mais le buisson ne se consumait point. But the bush didn't burn up. Or, selon la physique, though according physics, si le feu est dans sur un arbre, if the fire is within a tree, cet arbre-là doit perdre ses feuilles. That tree must lose its leaves. Mais la chose étonnante, but the surprising thing, était que le feu était sur l'arbre, was the fire was upon the tree, mais l'arbre ne se consumait point. But the tree did not burn up. C'est ce phénomène-là. That phenomenon qui attira l'attention de Moïse. Which attracted Moses' attention. Si l'église est avec moi, donnez-moi le maire de votre. If you are with me, then say amen. Ça m'a beaucoup manqué, alors donnez-le-moi vraiment. Miss me one more time, say amen. Yes, sir. Quand il se détourne, when he got straight, pour voir, to see, alors la voix sort du feu qui est sur le buisson. Then the voice came out of the fire upon the bush. Cet homme qui était dans le buisson connaissait le nom de Moïse. That man knew the name of Moses. Et il appela par son nom. And he called him by his name. Moïse. Moses. Moïse. Moses. Ne t'approche pas d'ici. Do not come any closer. Ôte tes chaussures. Remove your sandals. Car le lieu que tu te tiens est une terre sainte. For the place you stand is a holy ground. Le prophète dit que Moïse n'a pas cherché à raisonner. The prophet said that Moses haven't searched on reasoning. Ce que Dieu a demandé d'enlever, enlevez ça. What God asked to remove him, go ahead, remove. Si vous voulez aller loin avec Dieu, if you want to go far with God, faites ce que Dieu vous dit. Do whatever God tells you to do. Ne raisonnez même pas. Do not even reason. Parce que Dieu connaît pourquoi est-ce qu'il vous a dit ça. God knows what he tells you to do. Alors, therefore, celui qui était dans le buisson doit
se présenter. The one within the bush must introduce himself. Je suis le Dieu de votre père. I am the God of your forefather. Le Dieu d'Abraham. God of Abraham. Le Dieu d'Isaac. God of Isaac. Le Dieu de Jacob. God of Jacob. Ah bon? Is that so? C'est mon Dieu alors. Thank you, my God. Maintenant. Now. J'ai écouté. I heard. J'ai vu. I've seen. Les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. The suffering of my people in Egypt. Et je suis descendu. And I've descended. Pour les libérer. To set them free. Amen. Amen. De la main des Égyptiens. From the hands of the Egyptians. Dieu est descendu. God descended. Pour les libérer. To set them free. Pour les délivrer. To deliver them. De la main des Égyptiens. From the Egyptian hand. Mais regardez comment les choses vont partir. Now look how the things are going to happen. Mais, but, je t'envoie. I'm sending you. Comment ça? How come? Dieu est descendu. God descended. Pour délivrer les enfants d'Israël. To deliver the Israelites. Mais il envoie Moïse. But he's sending Moïse. Moïse dit, Seigneur, Moses said, Lord, je ne connais pas parler. I do not know how to speak. Comment je peux aller devant un roi puissant comme Moïse? I will manage such a king like Pharaoh. Et tu connais que je ne parle pas. And you want me to talk in front of him? Dieu dit Moïse. God said Moses. Qui a créé la langue? Who created the tongue? Qui rend muet? Who let the people down? Ou bien sourd? Or no deaf? C'est moi. It's me. C'est moi qui t'envoie. It's I sending you. Comme tu as dit que tu ne connais pas parler. As you say that you don't know how to speak. Moi, Dieu. Me, God. J'ai préparé ton frère Aaron. I sent your brother Aaron. Il a la langue facile. He had an easy tongue. Et lui parlera à ta place. And he will talk on your behalf. Toi, tu mettras tes paroles, mes paroles dans sa bouche. You will put my words within his mouth. Tu mettras mes paroles dans sa bouche. You will put my words within his Et mouth. Et lui parlera. And he will talk. Ah, je me sens religieux. Amen. Et Dieu ne s'est pas limité là. Il a dit à Moïse. He said unto Moses. Lui, ton frère sera prophète. Him, your brother is gonna be prophet. Mais toi. But you. Tu tiendras la place de Dieu pour lui. You will hold the spot of God for him. Regardez dans vos Bibles. Look. Ce n'est pas un D majuscule. It's not a little D. Ce n'est pas un D minuscule. It's a minuscule. C'est un D majuscule. It's a capital D. Et ça, Dieu ne partage pas ça avec quelqu'un. And that God does not share with anyone. Mais ici, but here, Dieu va partager sa gloire avec quelqu'un. God share his glory with someone. Non, je n'ai pas entendu de sa main. I haven't heard your amen. Que les gens soient d'accord ou pas. That people be agree or not. Quand Dieu. When God. Prend Moïse. Takes Moses. Et lui donne sa place. And give him his place. Amen. Regardez. Look. Pendant que je suis là. Why I'm here. Ma place est la chair. My place is the people. Si je quitte la chair, and if I do leave the people, et je prends mon frère, je le remplace. Take my brother and take the spot. Il m'a remplacé en tout et pour tout. And he replaced me on everything. Yes, sir. Tu seras à la place de Dieu pour Aaron. You're gonna be onto God's place to Aaron. Tu tiendras la place de Dieu pour Aaron. You will hold God's place for Aaron. Et lui. And him. Hallelujah. Amen. Il sera ton prophète. He's going to be your prophet. Il parlera pour toi au peuple. He will talk for you to the people. Il te servira de bouche. He will serve you as a mouth. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. And will hold for him God's place. Exode chapitre 7, premier verset. Exode 7, first verse. L'Éternel dit à Moïse. Now the Lord spoke unto Moses. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Say, I'm making God for Pharaoh. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. And Aaron, your brother, gonna be your prophet. Dieu est
est le messager ou bien l'ange céleste. God is the messenger or the heavenly angel. Et l'ange céleste ne peut pas travailler en aucun âge, en aucune époque sans un ange terrestre. And the heavenly messenger cannot work within a earthly angel. L'ange céleste, the heavenly angel, parle dans l'ange terrestre. Talks unto the earthly angel. Et l'ange terrestre, and the earthly angel, c'est la bouche de Dieu. Is God's mouth. Les oreilles de Dieu. Ears of God. Les bras de Dieu. God's arms. Les pieds de Dieu. God's feet. En d'autres termes, il est Dieu. In other words, he is God. Oh! Amen. Frère, qui peut dire amen à ça? Can someone say amen? Enlevez la peur. No, remove the fear. C'est le pourquoi que vous êtes venu au message. That's why you have come to the message. C'est pour écouter les choses que les oreilles n'ont jamais écoutées. To listen things they hear ever heard before. Je reviens un peu. Je reviens un peu. I'm coming back a little. Cette vision. That vision. Où Dieu descend sur le buisson. Where God descend upon the bush. Pour aller libérer le peuple. To go to free the people. Dieu, c'est ce fait là. God is that fire. Ce fait là, that very fire. C'est l'ange l'éternel. Is the angel of the Lord. Ce fait là, that very fire. C'est Dieu. Is God. Ce fait là, that very fire. C'est l'éternel. Is the Lord. Mais l'arbre, but the tree. Ce n'est pas l'arbre qu'il y a derrière les maisons. It's not the tree behind the house. Cet arbre là, that very tree. Était la représentation de Moïse. Was Moses' representation. Cet arbre là, that tree. Représentait Moïse. Representing Moses. Comment Dieu, God, va venir dans Moïse? Wanna come unto Moses? Ça ne sonne pas bien. Doesn't sound right. Comment Dieu, God, va entrer? Going to enter, yes sir. Dans Moïse. Into Moses. Pour aller en Égypte. To go to Egypt. Amen. Amen. Hein? Amen. Je n'entends pas vos amen. I can't hear you. Frère, brother, vous vous posez la question, quel Dieu? You question yourself, which God? C'est une portion? Is it a portion? Ou bien tout Dieu? Oh, the whole God. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Listen up closely today. Quand il s'agit de l'exode, talking about man, Dieu ne vient pas en portion. God does not come into portion. Lors du premier exode, during the first. Dieu est venu entièrement. God came entirely. Lors du deuxième exode, during the second exode, Dieu est venu entièrement. God came entirely. Et croyez-moi, and believe me, au troisième exode, during the third exode, Dieu viendra dans la plénitude. God will come unto the fullness. Amen. Si vous sentez dans l'insécurité, mettez la ceinture. If you feel insecure, then buckle up. Ah, donnez-moi les meilleurs de vos amen. Amen. Donc le buisson Adam, the fire within the burning bush, Dieu montrait cette vision à Moïse pour lui montrer ce qui va se passer. God showed Moses the vision to show what's going to happen. Oh buisson Adam, oh burning bush, accompagne-moi en Égypte. Tag along with me in Egypt. Je ne vais pas te détruire. I'm not gonna destroy you. Tu ne vas pas mourir. You don't gonna die. Prête-moi ton corps. Borrow me your body. J'ai un travail à faire en Égypte. I have a work to do in Egypt. Mais j'ai besoin de toi. But I need you. Pour m'accompagner. To accompany me. Pourquoi? Why for? Dieu est-il rentré à Moïse? God did enter within Moses. C'est parce que Satan, it's because Satan était dans Pharaon. Was within Pharaoh. Comme Satan était dans Pharaon, as Satan was in Pharaoh, Dieu aussi doit rentrer dans l'homme. God also must enter into the man. Donnez-moi le meilleur de votre main. Can the church say amen? C'est Dieu qui est le créateur. Which God, which is the creator. Qui a créé les mouches? Who created the fly? Qui a créé les grenouilles? Qui a changé l'eau en sang? Ce n'est pas Moïse. C'était Dieu. He was God. Et comment il a opéré? And how he did it? Par l'homme. Through the man. Au travers de l'homme. Through a man. Parce que l'homme,
cause the man est l'agent de Dieu, is God agent pour accomplir le miracle, to fulfill the miracle. Ce n'est pas Moïse, it's not Moses qui a créé les mouches, who created the flies. Il n'y a qu'un seul créateur, the only one creator, c'est Dieu lui-même, is God himself. Ce que Dieu a fait, what God has done, il a prêté seulement le corps de Moïse, a hollow barrel of Moses body. Amen. Ça là, je ne recule pas. That's I'm not backing down. Et il est rentré dedans. And he has entered inside. Et le prophète dit, and the prophet said, lorsque cette parole, when that word, lorsque la colonne de feu, when the pillar of fire, était en Moïse, was in Moses, Moïse était le Dieu vivant pour le peuple. Moses was the living God for the people. Amen. 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 Quoi ça? We believe in it. Voilà l'expiation ce matin. Here, the atonement this morning. C'est ça. This is it. Dieu dans l'homme. God unto the man. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, that's why the Bible said, le peuple crut en Dieu et en Moïse. The people believed both in God and in Moses. Ah, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. And ça, I believe, ce n'est pas la foi. I believe in God, I believe in God, that's not faith. La vie éternelle, eternal life, c'est croire en Dieu, is believe in God, et à celui qui l'a envoyé, and to the one he has sent. Amen. Alors, écoutez-moi. Then listen to me. Si vous êtes croyant, if you are a believer, si réellement vous êtes chrétien, if truly you are a Christian, qui est celui que Dieu vous a envoyé? Who's the one God that sent you? Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est ça. This is it. Reconnaître. Recognizing. Le jour. The day. Et son message. And his message. Amen. Si vous êtes croyant, if you are a believer, si toutes les églises qui sont sur la terre ou bien qui sont en train de prier aujourd'hui, if all the churches on the earth were praying today, disent être les églises du Dieu vivant, call themselves the church of the living God, Dieu ne peut pas visiter un peuple s'il n'a pas encore envoyé un prophète. God cannot visit the people if you haven't sent a prophet yet. Je peux? Yes, you may. Dis-moi d'abord qui est ton prophète, je croirai que tu es chrétien. Tell me first, who's your prophet? I will believe you are a Christian. Qui est ton prophète? Who's your prophet? Alors je croirai que tu es un croyant. Therefore, I believe you are a believer. Ne voyez-vous pas dans Actes chapitre 26? Don't you see in Acts chapter 26? Lorsque Paul parlait aux grands érudits de l'époque, when Paul was talking about the smart people, Paul parlait au roi Agrippa. Paul talked to the king Agrippa. Paul, après avoir exposé sa doctrine, after Paul exposed his doctrine, le roi Agrippa commençait à croire. King Agrippa started to believe. Paul lui pose une question. Paul questioned him. Oh roi Agrippa. Oh King Agrippa. Crois-tu au prophète? Do you believe in the prophet? Paul dit, le roi Agrippa dit. The King Agrippa said. Paul, je vois que tu veux me tu commences à me persuader à devenir chrétien. I see you start to persuade me of becoming a Christian. Yes, sir. Pourquoi? Why? Parce que les chrétiens croient au prophète. Because Christians believe in prophet. Jean chapitre 17, troisième verset. John chapter 17, third verse. La vie éternelle.
The eternal life. C'est de croire en Dieu. Is to believe in God. Et à celui qui l'a envoyé. And to the one he has sent for. Si vous dites être chrétien. If you call yourself a Christian. Qui est celui que Dieu vous a envoyé? Then who is the one God sent you? Ce n'est pas Kakou Philippe. He is not Kakou Philippe, no sir. Kakou Philippe n'a pas la colonne de feu. Kakou Philippe does not have the pillar of fire. Amen. Je veux entendre un amen. I want to hear an amen. Ce n'est pas le prophète de la prophétie. It's not a prophet of the prophecy. Alabala chutoa la kolo alabala kolo akolo kolo alabala la shalabala chutoa. Talking in tongues. Oubliez ça. Forget about it. Laisse parler en langue. What is that speaking tongue? Que toutes les églises, toutes les églises et les pasteurs parlent. That all the church and the pastors spoke. Ça, c'est le parler en langue des écoles des prophètes qui sont en prix. This is the speaking in tongue of the church of prophets. Ce n'est pas le parler en langue de Dieu. It's not God speaking et in tongue. Et la Bible dit, and the Bible si says, vous parlez en langue if you speak in et tongue, qu'il n'y a pas l'interprétation, there is no interpretation, arrêtez. Then stop it. Woman. Amen. Amen. En bref, amen. Le buisson ardent, c'est Moïse. The burning bush, in fact, is Moses. Le feu là, that very fire, c'est Dieu. Is God. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent ce matin au travers du monde, à l'internet. Many people are watching me this morning through the world. Ils vont demander, pasteur, est-ce que Dieu peut-il habiter dans l'homme? They're going to question themselves, pastor, does God can dwell into a man? Moi aussi, je leur dis que Dieu n'habite pas dans les animaux. I also say that God does not dwell into animals. Que Dieu aussi n'habite pas dans les arbres. God also does not dwell into trees. Et je réponds. And I'm answering. Que Dieu habite dans l'homme. That God dwells in a man. Je veux un amen de l'église. Amen. Allons-y, étroite est la porte, frère. Remontez ça là-bas. Étroite est la porte. Straight is the gate. Le prophète dit dans tous les âges. The prophet says in all ages. Dieu a toujours habité dans l'homme. God always dwells unto the man. Si vous croyez, c'est déjà là. Étroite est la porte. Straight is the gate. Attendez. Wait a minute. Dieu habite dans l'homme. God dwells into the man. Toujours dans l'homme. Always unto the man. Vous pensez que Dieu va dire à l'homme ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas? You think that God gonna say to the man do not drink it or smoke? Comment c'est pour s'amuser avec lui? And just you know to amuse with him. J'aurai un travail à faire avec toi. I will have a job to do with you. Quand tu seras grand. Once you're gonna be grown. C'est déjà reflété là-bas. Is it placed up there? D'accord. Allez, nous allons prendre ça. Je serai trop court aujourd'hui. Today I'm gonna get to gain some time. Mais il y a des penalties à jouer. But we have, you know, free kick to play. Vous aimez les penalties? Don't you like free kicks? Dieu merci qu'il y a la pluie, je crois que personne ne va sortir. Thank you Lord, there are the rain, no one will go out. Dieu connaît faire les choses. God knows how to manage things. Amen. Amen. Laissez-moi lire un peu ça. Now, let me do the reading. Ok, étroite est la porte. Straight is the gate. Prêché en 1959. Preach in 1959. Prenons le paragraphe 54. They take the paragraph 54. Il ne pouvait pas croire, par exemple, que Dieu était dans cet homme-là. He could not believe, for example, that God was into this man.
Pour eux, c'était le plus grand obstacle à surmonter. For them, that was the biggest obstacle that they have to climb over. Le fait que lui, qui était homme, se faisait pourtant Dieu. The fact that him, who was God, turned himself to be God. Il ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. They could not understand how God can live unto the human flesh. Et dans tous les âges, and unto all ages, de tout temps, of all time, Dieu a toujours habité dans l'homme. God has always dwelt in man. Amen. Quand on dit dans, ce n'est pas en dehors. When we say in, it's not outside. Amen. Amen. Dieu a toujours habité dans l'homme. God always lives in man. L'homme est l'agent de Dieu. Man is God's agent. Dans chaque génération, unto every generation, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. God speaks to the people through human lips. Il choisit toujours quelqu'un. He always chooses someone. Ou quelque chose. Or something. Qu'il peut utiliser. That he can use. Un homme. Amen. Yes, sir. Dieu. God. Entre en lui. Enters in him. Et il parle. And he talks. Si vous le croyez, if you believe him, vous croyez en Dieu. You believe in God. Vous le rejetez. And you reject him. Vous rejetez Dieu. Then you rejected God. Attendez, prenez la Bible. Let's take the Bible, please. Quelque chose m'est arrivé. Something just came up. Prenez 1 Samuel chapitre 8. First Samuel chapter 8. La Bible dit. The Bible says. Ok, je suis au verset 6. En tout de verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. And the people said to Samuel, give us a king to et rule Samuel over us. Pria l'Éternel. And they went toward the Lord. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. And the Lord said unto Samuel, listen the voice of the people and everything they will tell you. Car ce n'est pas toi qui le rejette. For they have not rejected you. C'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. But they have rejected me that I should no more reign over them. Le peuple voulait un roi. People wanted a king. Mais Samuel qui était le roi leur a dit. But Samuel the king told them. Ne faites pas ça. Do not do that. Laissez-moi toujours continuer à être votre roi. Let me keep on being your king. Dieu descend. God descend. Il dit à Samuel. Et c'est non tout Samuel. Écoute le peuple dans tout ce qu'il vous dirait. Listen to the people and to everything he will tell you. Parce que ce n'est pas toi, Samuel, que ce peuple rejette. Because it's not to Samuel that the people has rejected. C'est moi qui le rejette. It's me that they reject. Vous voyez, Dieu. Don't you see that God était avec Samuel et dans Samuel. Was with Samuel and within Samuel. Rejetait Samuel. Rejected Samuel. C'est rejeté Dieu. Was rejected God. Parce que Dieu était dans cet homme-là. God was unto that man. Si l'Église croit cela, donnez-moi un amen. If the church believes, then say amen. Écoutez quelques citations. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Frère Branham dit. Brother Branham says. Ah, ce sont les citations les plus dures que vous n'avez jamais écoutées. Those are the toughest statements you never heard before. On va jouer quoi, une penalty, un penalty. We're gonna kick, you know, a free kick. Si vous me suivez, donnez-moi un amen. Amen. Bon, ok. Frère Branham dit. Brother Branham says. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. All through the booklet, God has revealed himself unto simplicity. À la page 46, paragraphe 295. All through the page 46, paragraphe 275. Je pensais que quelqu'un allait dire, pasteur. I thought someone would say, pasteur. Avancez. Dieu se cache, il dit, regarde, Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte. See, looks, God has in the corruption of a dead seed. Pour produire la vie. To produce life. Le messager dit, voyez, vous saisissez. The messenger said, do you seize it? L'ensemble dit, amen. And the assembly says, amen. Dieu se cache dans une simple petite blanchisseuse. God had himself in a simple little cleaner. Ou
dans un homme ordinaire, rather into an ordinary man, qui part avec son repas du midi sous les bras, going with his meal of midnight under his arms, et qui embrasse son épouse, and embracing his spouse, et ses enfants, and his children, avant de partir, before going. Et peut-être qu'il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose dont l'archevêque ne saura rien du tout. Maybe it's gonna hard in this man to perform something that the bishop will know nothing at all. Dieu, God, se cache hide dans un homme ordinaire, onto an ordinary man, qui a son repas à la main, who God is me in la train, qui embrasse sa femme, who's embracing his spouse, pendant qu'il est en train de faire les bisous là, why is kissing his wife, Dieu est caché dedans, God is hide in there. Yes sir. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Quelqu'un qui est né dans le péché, someone born in sin, grandit dans le péché, who grow up into sin, qui dort et marche avec le péché, sleeping, walking with the sin. Mais Dieu choisit ce corps-là, but God chose that man, pour habiter, in order to dwell in, pour sauver les pécheurs, to save the sinners, pour, to set the captive free, pour guérir les malades, to heal the sick. Si vous comprenez ce que je suis en train de parler, ce que je dis est en train de se passer devant vous ce matin. If you understand what I'm saying, it's happening in your midst this morning. Non, les gens n'ont pas compris. Donnez-moi le meilleur de votre main. Can you say amen? Amen. Écoutez. Écoutez, frère. Listen, brother. C'est l'étape présente de mon ministère. This is the present stage of my ministry. Yes, sir. Lorsque j'ai prêché ça à Obeka Tabernacle, when I preached it on Obeka Tabernacle, un frère m'a dit, mais pasteur, a brother told me, pastor, ça là, c'est ce que j'attendais toute ma vie. This one was what I was expecting all my life. Mais lorsque tu as prêché ça, when you preach it, j'ai senti que la chose est coincée. I felt that the thing stuck over here. Je ne pouvais pas avaler ça parce que ça. Comment Dieu peut-il entrer dans un être humain? How come God enter within a human being? C'était coincé. He was no stuck at this level. J'ai souffert. And I suffer. J'étais en train de me tordre. I was, you know, having a hard time. Le pasteur Mosengo a lu la parole. The pastor Mosengo read the word. Faut-il avaler ou bien faut-il vomir? Do I have to swallow or throw it back? Dit lorsque le pasteur Baruti est passé à la chair. It's about one pastor Baruti came at the paper. Et il a dit que Moïse a voilé Dieu. And said that Moses veiled God. Le frère a dit, j'ai entendu la chose descendre. Q. And the brother said, I heard the thing descending. At once. Amen. Yes, sir. Mais je n'entends pas d'amen là. I can hear your amen. Pour vous du plein évangile, faites kiou, kiou, kiou. For you, full gospel, do the sound. Amen. Amen. C'est ça le dessein de Dieu pour l'homme. This is called design for the man. Premièrement, first of all, Dieu voulait se révéler à l'homme. God wanted to reveal himself. Deuxièmement, to the man. Secondly, Dieu voulait habiter dans l'homme. God wanted to dwell in the man. Troisièmement, and thirdly, Dieu voulait restaurer le royaume. God wanted to come and send. Et aujourd'hui, and today, nous sommes dans l'étape de Dieu dans l'homme. We are in the stage of God unto the man. Brother, sister, c'est pourquoi vous ne péchez pas. That's why you do not commit a sin. C'est pourquoi la chair ne vous domine pas. That's why the flesh does not. C'est pourquoi le monde ne vous captive pas. That's why the world does not captive. Ce n'est pas à cause de votre force. It's not because of your strength. Ce n'est pas par ta puissance. It's not through my power. C'est parce que le Dieu tout puissant. It's because the mighty God est en train de vivre sa propre parole en vous. He's living his own word within you.
Sinon, tu allais tomber. Otherwise, you will have failed. C'est pourquoi aujourd'hui. That's why today. Et Adam. And Adam. 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 Avait abandonné sa femme. Abandoned his wife. C'est pourquoi sa femme est tombée. That's why the wife fell. Non, donnez-moi amen. Can you say amen? Mais aujourd'hui, but today, le second Adam, the second Adam, Jésus-Christ, Jesus Christ, le Sauveur, the Savior, le Guérisseur, the Healer, le Rédempteur, the Redeemer, le Tout-Puissant, the Almighty, ne laissera jamais son épouse. Will never let his pastor. C'est pourquoi lui-même, that's why himself, Dieu, God, a changé de forme. Changing the form. Il est devenu la colonne de feu. He has become the pillar of fire. Et il est venu habiter en vous. And he came to dwell in you. Quand le diable vous attaque, when the devil attacks you, ce n'est pas toi. It's not you. Il attaque Dieu qui est en vous. He's attacking God in Et you. Je vous certifie. I certify il you. Il ne vaincra jamais. He will never prevail. Il ne vaincra jamais. He will never prevail. Il ne vaincra jamais. He will never prevail. Ce n'est pas toi qui vis. It's not you living. C'est Christ en vous. It's Christ in you. L'espérance, la gloire. The hope of glory. Est-ce que je peux vous dire quelque yes, chose? You can, sir. C'est ça. This is it. Le mystère. The mystery. Caché. Hard. De tout le temps. Of all time. Caché. Hard. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Caché. Hard. Dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Mais révélé aujourd'hui. Reveal today. Quel est ce mystère? What is that mystery? Christ. Christ. La divinité. The calling dans l'homme unto the man. C'est ça. This is it. Qui va vous amener à l'enlèvement? Who's gonna take you guys unto the rapture? C'est ça. It's free. Qui va vous ressusciter? Who's gonna brought you back? Oh, s'il y a quelqu'un qui comprend, donnez-moi un amen. Coming. Amen. Oh. Amen. Laissez-moi prêcher. I pray. Au commencement, in the beginning, Dieu a créé l'homme à son image. God created a man unto his image. Et l'homme a perdu l'image de Dieu. And le lost his God image. Pour revenir à l'image de l'animal. To become unto the image of the animals. L'homme a perdu l'image de Dieu. The man lost his God image. Pour venir à l'image de l'animal. To become into the image of Mais the animal. Dieu a dit, but God said, je restaurerai. I will restore. Je restaurerai. I will restore. L'homme du commencement. The man of the beginning. Sera restauré au temps de la fin. Gonna be restored unto the end time. Même puissance. The same power. Même onction. Same anointing. Même divinité. Same God. Même autorité. Same authority. Même pouvoir. Same power. L'homme d'aujourd'hui. The man of today. C'est le même homme du commencement. Is the same of the beginning. Mais qui est restauré. But who's restored. C'est pourquoi. That's why. Branham dit. What the Branham said. Eve. Eve. D'aujourd'hui. Of today. Ne tombera jamais. Will never fail. Pourquoi. Why. Parce que votre mari. Cause your husband, votre mari, your husband, est en vous. Is in you. Vous êtes la parole faite chair. The heart is made flesh. Que celui qui croit ça, dit amen. Let the one who believes say amen. 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 La chose, the thing, que Eve avait perdu, that Eve has lost. Vous savez quelle la chose qu'Eve avait perdu? Do you know the thing she lost? Le discernement. The discernment, amen. Vous avez la chose, you have the thing, que Eve avait perdu, that Eve lost. Jeune sœur, young sister, jeune sœur, I know, jeune frère. I know. Si vous tombez aujourd'hui, if you fail today, vous êtes participant de ton péché. You are partaker of your sin. Peu importe la forme que Satan va prendre aujourd'hui, no matter the form Satan gonna take today, nous avons la capacité de le détecter. We have the capacity of deterring him. Amen.
Yes, sir. Donnez-moi votre amen. Que the church say amen. Frère Branham dit. Brother Branham said. Je suis dans la brochure. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. On the booklet, God has revealed himself into simplicity. Paragraphe 203, Frère Branham dit. On to the paragraph 203, Brother Branham said. Remarquez à l'époque d'Élie. Notice unto Elijah days. Dieu a choisi. God choose. De se cacher dans une personne toute simple. To hide into a simple person. Amen. Yes, sir. Dans une personne toute simple. Into a simple person. Dieu s'est caché. Il a choisi d'habiter là-bas. God hide. He chose to dwell in. Frère, ne me parlez pas Dieu en portion. Brother, do not talk about God in portion. Cette étape-là, on a dépassé ça. We bypass that stage. Frère Branham dit. What the Bible says, si vous voulez recevoir la plénitude de Dieu, if you want this, he's on the suivez le messager. Now follow the messenger. Comme le messager suit Dieu dans sa parole. The messengers follow Christ. Amen. Moi, je ne veux plus de portion. I don't want no portion. Avec une portion. With a portion. Vous êtes rempli de critiques. You are filled with critics. Vous êtes rempli de mensonges. You are filled with lies. Vous êtes rempli de la peur. You are filled with fear. Vous êtes rempli de la sueur. You are filled with the failure. Je n'en veux pas. I don't want that. Mon désir. My desire. Est que mon église. Is my church. Et moi-même. And myself. Nous puissions parvenir. We may reach. À la plénitude. Unto the fullness. Parce que Paul dit. Because Paul said. Dans le livre des Éphésiens. On the book of Ephesians. Je souhaite à ce que chacun de vous until every one of you arrive à la plénitude. Reaching the fullness. Or, le peuple de Paul poor people ne pouvait pas arriver à la plénitude could not reach the fullness parce que le seau était fermé. Cause the sea were closed. C'est le septième seau. It's the seventh seal. Who brings that? Who brings that? C'est le septième saut. It's the seventh seal qui ramène that brings down la plénitude de Dieu, the fullness God sur la terre, on the earth. Amen. Pour faire quoi? To do what? Restez là. Stay there. Restez là. Stay there. Non. No. C'est pour entrer en vous. It's to enter in you. Quelque chose va se passer. Something gonna happen. Dans votre vie. In your life. Vous recevrez. You'll receive. Une puissance. A power. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost. Descendra sur vous. Will come down upon you. Brother. Même vos maladies. Even your sickness. Seront guéris par une parole. Gonna be healed by a word. Tout ce que vous voulez. Everything that you want. Prononcez la parole. Pronounce the word. Parce que. Because vous êtes de Dieu. You are with God. Amen. Encouragez-moi, encouragez-moi par la main. Amen. Frère. Brothers. Sœurs. Sisters. Si Moïse. If Moses. Qui n'a pas vu le sceau. Who haven't heard the seal. Qui n'a pas cru au sept tonnerre. Who haven't believed unto the seventh thunder. Dieu. God. Non, avançons. Let's move forward. Si Moïse, if Moses, qui était sous le sang des boucs et des taureaux, was over the blood of the goat and the bull, pouvait voiler Dieu, could veil God, qu'en est-il de vous? What about you? Qui êtes sous le sang du Rédempteur lui-même? Can under the blood of the Redeemer himself. Ça va arriver. It's gonna happen. Que vous soyez d'accord. That you be agreeing. Pas d'accord. Or not agreeing. En m'écoutant. By listening to me. Je suis là. I'm here. Dans l'étape présente de mon ministère. In the present stage of my ministry. Pour vous transmettre la plénitude de Dieu. To transmit to you the fullness of God. La colonne de feu. The pillar of fire. Va quitter la photo. Must leave the picture. La colonne de feu. The pillar of fire. Va quitter la photo. Gonna leave the photo. Il doit quitter la photo. He must leave the photo. La colonne de feu. The pillar of fire. Doit quitter la photo. Must leave the photo. La colonne de feu. The pillar of fire.
Tu as quitté la photo. La colonne de feu. Tu as quitté la photo. Il doit quitter la photo. Pour entrer en vous. In order to enter in you. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Dieu à Moïse. God in Moses. Dieu en Élie. God in Elijah. Votre bonhomme said, dans la bouche de Josué, il se veillant guerrier. Entre boucles, Joshua, that's mighty warrior. Lorsque Josué, when Joshua, a croisé ce chef de l'armée de l'Éternel, made up that commander of the host of the Lord, qui lui a donné les instructions, and he gave him the instruction. Frère Branham dit, Votre bonhomme said, ce chef d'armée de l'Éternel, that commander of the host of the Lord, était entré en Josué majestueusement. Has entered into Joshua majestuously. Amen. Frère, brother, sœur, sister, nous sommes à l'époque de la conquête. We are into the conquest time. Tu ne peux pas conquérir. You cannot conquer. Avec ta force. With your own strength. Il faut quelqu'un d'autre. It takes someone else. En vous. In you. Qui a tué Goliath? Who killed Goliath? Qui a tué Goliath? Who killed Goliath? Qui a tué Goliath? Who killed Goliath? Ce n'est pas David. It was not David. David. David n'était qu'encore, was only a man, mais à l'intérieur, but inside. Amen. Oh, amen. Yes, sir. Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Dieu, God, a dit à Moïse, said unto Moses, tenez-vous tranquille. Stay quiet. Soyez calme. Stay calm. L'Éternel, the Lord, l'Éternel, the Lord, combattra pour toi. Will fight for you. Ce matin, this morning, vous êtes le puissant Adam. You are the morning boy. Ce même Dieu, that same God, va entrer en toi. Will enter in you. Pour aller conquérir. Je vous donne, I gave you, le pouvoir, the power, l'autorité, the authority, d'aller réclamer, to claim, tout ce qui vous appartient, everything that belongs to you. Maintenant, now, le temps, the time, de crier, of crying, de pleurer, of weeping, de plénicher, of wiping, fini, is over. Pourquoi? Why? Parce que Dieu, because God, est en vous. Is in you. Amen. Pourquoi crier? Why shouting? Parle! Speak up! Amen. Yes, sir. Thank you, Lord. C'est fini. It's over. La révélation, revelation, de la parole, of the word, est pour nous, it's d'une importance capitale, of a capital importance. Ce matin, vous sortirez avec quelque chose. This morning, you'll come out with something. Moi, mais votre pasteur, your pastor, je vous livre vos ennemis. I deliver you guys your enemies. Amen. Pourquoi crier? Parle. My God, speak. Ce matin, this morning, vous avez le pouvoir, you have the power, de l'infaillibilité, of infallibility. Vous avez le pouvoir, you have the power, de l'infaillibilité, of infallibility. Tout ce que tu veux, everything, tout
tout ce que tu veux être, everything that you like, je vous donne la capacité. I give you the capacity. Parle! Speak up! Amen. 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 Lisons d'abord ça. Let's read. Écoutez le prophète. Listen to the prophet. Dieu se cache. God hides himself. Il se révèle dans la simplicité. He reveals himself in true simplicity. Je suis au paragraphe 248. Onto the paragraph 248. Frère Barnabé dit. Brother Branham said. Où est notre foi pour croire la simple parole de Dieu? Where is our faith to believe the simple word of God? Ce que Dieu a dit. What God has said. C'est tout. It's all. Le prendre au mot. Taking in my word. La raison pour laquelle vous demandez beaucoup de choses et Dieu ne vous donne pas, c'est parce que ce n'est pas les choses que lui il a promis. The reason why you're asking things he doesn't give, that's not the thing he promised for you. C'est la chose. If the thing que vous demandez, that you're asking for, Dieu a promis ça, he promised it. Il est lié, he's bound à une obligation, to an obligation, de l'accomplir, to fulfill it. Amen. Le prophète dit, the prophet said, en ce moment, until this time, Dieu, God, se cache dans la simplicité, là dans la simplicité, hide himself into simplicity, dans un humble petit groupe, into a humble little group, mais un de ces jours, but one of these days, il va se manifester comme il a toujours, he's going to manifest the way he's always did. Où est Dieu aujourd'hui? Où est Dieu aujourd'hui? Where is God today? Répondez-moi, où est Dieu aujourd'hui? Answer, where is God today? Au ciel? In heaven? No, sir. Ou en vous? Is in you? Amen. C'est ça la finalité. This is the end. C'est la dernière phase. It's the last thing. De la vie de Dieu sur la terre. Of God lives on the earth. C'est se cacher. He's hiding. Dans son peuple. Unto his people. Amen. Amen. Écoutez le messager. Listen up to the messenger. Pourquoi crier parle? Why cry speak? Paragraphe 125. To the paragraph 125. Et 126. And 126. Frère Branham dit. Brother Branham says. Mais il y a seulement une véritable église. There is only one true church. Et vous ne pouvez y joindre. And you cannot join it. Vous ne pouvez pas vous y joindre. You cannot join it. Vous y naissez. You let in. Et si vous y naissez, and if you get born, le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître. The living God is working through you to get himself known. C'est là que Dieu habite. Is there God dwell dans son église? Unto his church. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, sir. Dieu va à l'église chaque jour. God is going to the church each day. Pourquoi crier, paragraphe 125, fin 6, prêcher en 63. Why cry? Dieu va à l'église chaque jour. God goes to the church each day. Frère, vous n'allez pas croire. Brother, you won't believe. Que Dieu est assis aujourd'hui en train d'écouter Dieu prêcher. That God is sitting today, listening and preaching. Lorsque Jésus-Christ est été ressuscité, when Jesus Christ was resurrected, qu'est-ce qu'il prêchait aux apôtres? Why was he preaching unto the apostles? Il prêchait aux apôtres sa résurrection. He preached to the apostles his resurrection. Les promesses qui étaient pour lui-même. The promises for himself. C'était Jésus qui prêchait Jésus. It was Jesus preaching Jesus. Yes, sir. Le messager dit, the messenger said, Dieu va à l'église chaque jour. God goes to the church each day. Frère, avez-vous déjà vu Dieu en train de marcher là-bas? Donc depuis Awenje, il a pris le taxi pour venir ici à l'église. Have you seen God walking, taking the taxi cab to come to the church? Maintenant, qui est ce Dieu-là qui va à l'église? Now, who's that God coming to the church? Mais c'est vous. But it's you. Amen. Pour que Dieu, cause God, vienne à l'église, comes to the church, il a besoin d'un corps. He need body. Et ce corps-là, c'est toi. And that body is you.
Amen. Frère, brother, moi là je n'irai pas en enfer. Mais I won't go to hell. Si vraiment le diable commet l'erreur de m'attirer, je vais lui faire des bruits jusqu'à qu'il me laisse. If truly the devil try, I'm gonna give him a hard time. He's gonna let me go. Amen. Le message dit, the messenger say, il vit dans l'église. He lives in the church. Il vit en vous. He lives in you. Vous êtes son église. You are his church. Vous êtes son église. You are his church. Vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. You are the tabernacle in which God dwells. C'est pourquoi il est défendu de souiller votre corps. That's why is it forbidden to defile your body. Amen. Pourquoi? Why? Parce que votre corps est le tabernacle ou le temple où habite le Saint-Esprit. Because your body is the temple where the Holy Ghost lives. Séparez-vous du péché. Separate yourself from the sin. Et l'onction demeurera en vous. And the anointing will stay in you. Amen. 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 Penalty. Now, free kick. Penalty. Now, free kick. Frère Branham commence d'abord par un amen. La vision de Patmos, paragraphe 64. Frère Branham commence d'abord par un amen. In Patmos vision, was Branham starting by an amen. Or, on dit amen, c'est quand on a libéré déjà la parole. Though we said amen when we said pronounce the word first. Mais là, il dit amen. Then he says amen. Jésus, il a renversé tous les obstacles. Now Jesus, all the obstacles overflow. Permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait dans le jardin d'Eden. Allowing the man to have the fellowship like he had in the garden of Eden. Je ne voulais pas vous en parler. I didn't want to talk to you guys about it. Mais je vais quand même vous dire ceci. But I'm gonna tell you anyhow. L'homme est tout puissant. The man is almighty. Amen. Frère Branham dit, vous ne croirez pas cela. Brother Branham say you won't believe it. Pourtant, c'est la vérité. Though it is the truth. Un homme. Amen. Pleinement soumis à Dieu. Fully submitted to God. Et he is. Il est. He is. Il est omnipotent. Omnipotent. Tout puissant. Almighty. L'homme est omnipotent. The man is omnipotent. Alors un païen va te déshabiller, t'as dit là je suis tout puissant. Then the pagan cannot address you when you call yourself almighty. Jamais ou. Never. Nous avons une sœur ici. We gonna sell here. L'une de mes filles qui est ici là que je ne vais pas citer là. One of my daughter here, I don't want to call her name. Un homme lui a invité chez lui. A man invited her to a place. Donc sur la forme de simple causerie comme ça parce qu'ils étaient des amis. Under the form of the simple chat, they were friends. C'est pourquoi je ne vais pas les amis avec les sœurs. That's why I don't want to befriend a sister. Toutes ces amitiés hypocrites et ces amitiés qui cachent les pensées dans la tête. Arrêtez-moi ça. All those hypocrite friends in hiding for stop it. Frère Lampi. Branham, lorsqu'un homme commence à avoir des comportements avec une femme, il est loin du diable. When a man starts having behavior with women, he's anointed from the devil. C'est dans la brochure la semence du serpent. In the booklet, the serpent seed. Pasteur, c'est mon ami. Pastor is my friend. Pasteur, c'est ma copine. Pastor, she's my, you know. Pas ici. Not here. Ici, c'est le mariage. Here, we're talking about vous wedding. Devenez des amis, c'est quand on vous a présenté pour la fréquentation. Your friend, when you've been introduced to being engaged. Frère, brother, libérez les filles d'autrui. Then free the daughter of some else. Ne les liez pas avec des mensonges. Et pourtant, tu connais que tu n'aboutiras à rien. Do not bound them with lies. You know you won't finish up the process. Sir, sister, le pasteur a dit. The pastor said. S'il n'y a pas de fréquentation présentée ici, il n'y a pas des amis. If there are no fréquentation introduced, there is no friend. Même vous. Even you.
Les sœurs, sisters, qui sont venues ici et vous avez été prêchées par un frère ici, who have come here by preaching by a brother, si commence à te faire la cour pour sortir avec toi ce frère-là est faux. If you start insulting to go ahead with you is false. Dans notre église, nous ne croyons pas au concubinage. Asim, we do not believe unto free union. Un frère vous prêche la parole. A brother preaches the word. Et il commence à chercher à sortir avec toi. And he's starting going with you. Sous prétexte de l'évangile. Under the pretext of evangelism. Vous avez affaire à un fils de Caïn. Now you're dealing with a son of Cain. Amen. Non, je vais entendre un amen. I want an amen. C'est pourquoi je ne crois pas. That's why I do not believe. Un frère qui a évangéliser une personne dehors et puis il va lui demander la main. Unto a brother who evangelized someone outside and later ask for his hand. Ça, ce sont les mariages basés sur la convoitise. Those are marriages based upon attaching. Amen. L'homme est. The man is. Tout puissant. Almighty, omnipotent, omnipotent. Amen. Amen. On avance. We're moving forward. Je suis dans la bouche de la divinité de Jésus-Christ, prêché en 1949, paragraphe 85. Je vais aller vite. On the book of Jesus Christ, he preached in 1949. Dieu est. God was in the beginning. Puis il est entré dans Moïse. Then he has entered into Moses. Yes, sir. Les hommes de Dieu. Men of God. Il était au commencement. He was in the beginning. Puis il est entré dans Moïse. Then he has entered unto Moses. Et il est entré dans les enfants d'Israël. And he has entered unto the Israelites. Et il est venu dans la crèche. And he has come unto the cradle. Mais maintenant, but now, il adore là comme quelque chose de préhistorique. He's worshiping them like something prehistoric. Alors que Christ est en vous. Though Christ is in you. Le voici aujourd'hui. Here he is today. Le Fils de Dieu en action. The Son of God in action. Sa grande église en action. His great church in motion. Paragraphe 84, 82. Frère Adam dit. Onto the paragraph 82, Brother Adam say. Et frères et sœurs. Brother and sister. Cette divinité est en vous. That's God. It is in you. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Again, a little time, the world won't see me no more. Mais vous, vous me verrez. But you will see me. Car je serai avec vous et même en vous. Because I'm going to be with you and even in you. Jusqu'à la fin de l'âge. Until the end of the age. Christ dans la crèche. Christ in the cradle. Non. No. Christ en vous. Christ in you. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. We do not worship Christ in the cradle. Mais Christ en vous. But Christ in you. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost. L'espérance de la vie. The hope of life. Alléluia. Amen. Le Créateur. The Creator. Dieu lui-même. God himself. Habitant dans l'être humain. Dwelling within the human being. Amen. Qui peut me donner un amen? Let the church say amen. Penalty. Now, free kick. Paragraphe 165 de la bouchique, c'est lui qui est en vous. On the paragraph 165 of the booklet, the one in you. C'est lui qui était en Josué. The one in Joshua. Était plus grand que le soleil. Was greater than the sun. Et Josué était un homme né dans le péché comme vous et moi. And Joshua was a man born in the sin like you and me. Et c'est lui qui était en Josué. And the one who was in Joshua. Et dans le soleil. Was greater than the sun. Dont la course était réglée sur les commandements de Dieu. When the course was set upon God's commandment. Était plus grand. Was greater. Dieu a ordonné au soleil de briller. God commanded the sun to shine. Et de tourner sur lui-même. And to stand upon himself. Et celui-ci est gouverné et contrôlé par les lois de Dieu. And that one was governed and controlled by God's laws. Mais. But. Celui qui était en Josué. The one in Joshua. Était plus grand que les lois de Dieu. Was greater than God's law. En effet. In fact. Le Créateur. The Creator. Lui-même. Himself. Était en Josué. Was in Joshua.
Au moment où Josué a levé les yeux vers le soleil et a dit, reste là où tu es. Until the time Joshua lifted up the eyes toward the sun, say, et toi, lune, ne bouge pas de l'endroit où tu es. And you, the moon, do not move the place where. Jusqu'à ce que j'ai fini la bataille. Until I was done with the battle. Et le soleil et la lune ont obéi. And both the sun and the moon obeyed. Car celui qui était en Josué. Because the one who was in Joshua. Était plus grand que le soleil et la lune. Was greater than the sun of the moon. Pourquoi? Why? Le Créateur lui-même. The Creator himself. Était en Josué. He was on Joshua. Je veux entendre votre amen. Can the church say amen? Je suis arrivé à Kisangani. I went to Kisangani. Je fais la ligne de prière. I had a prayer line. On m'a amené un enfant dont les mains sont comme ça depuis qu'il est né. They brought me a child with the hands crippled since he was born. Comme ça. This way. Quand l'enfant est venu, when the child has came, son pasteur le connaît très bien. His pastor knows him very well. Je sentais que la foi débordait. Amen. I felt the faith was overwhelming. Je sens la foi sur les cheveux, je sens la foi sur les ongles, je sens la foi partout dans mon corps, même les linges que je porte, je sens comment la foi est en train de vibrer. I felt the faith vibrate all over me. Je dis aujourd'hui, on va essayer ce qui se passe là-bas au plein évangile. I said today, we're gonna try what's happened in the full gospel. Je pris ma main gauche. I took my left hand. Je forçais, j'ai mis ça là. And I forced onto his crippled hand. Je dis Père. Oh, I say Father. Le prophète et la Bible me dit que tu as prié pour une personne qui avait la main sèche. But the prophet and the Bible say you pray for someone with dry hand. La main a été guérie. And the hand got healed. Cette jeune fille aurait dû être la femme de quelqu'un un jour. That young daughter would have been someone else's wife someday. Mais regarde l'infirmité. But look at infirmity. Je prie pour que tu la guérisses. I pray so you may heal her. Amen. Amen. Amen là-bas. My hands upon the Bible. J'entends seulement. I heard a sound. Crack. Je dis ça y est. I say this is it. Crack. Crack again. Crack. 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 Hallelujah. Alors je l'ai dit. I told her. Allez, fais ça. Then do that. Elle l'a fait. And she did it. Ouf. Open. Elle a ouvert. And she opened. Fais ça. Do that. Elle a fait. And she did. Ouf. Open. Elle a ouvert. And she opened. Agité. Now move. Elle a agité. And she waved. Je dis maman. I say, well, prends ton bébé. Here your baby. Amen. Frère. Brother. Guéris sur le champ. Heal at once. Ma foi. My faith. À ce que tu as promis, unto what God promised, commence tellement à grandir, I started growing up, que je n'ai plus foi aux prières qui durent. That's not faith for what I say. Amen. Quand les choses compliquées, là, on va attendre demain, après demain. Complicated things non, gonna non. Wait tomorrow. Non, 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 non. No way. William Branham, Dieu lui a dit. William Branham, God said. Si tu amènes les gens, if you take people, à te croire, to believe in c'est you, c'est pourquoi. That's why. Le temps présent, the present time, de mon ministère, of my ministry, c'est d'amener le plein évangile. Is to take the full gospel. À me croire, to believe in me. Que Dieu m'a envoyé pour vous. That God has sent me, God. For you, toute personne, each person, qui arrivera, who will come, à quoi ça, to believe in it, a toi un miracle, as right, all to a miracle, amen. J'ai vu, I saw, une maman venir à la ligne prière, a mom coming to the prayer line, c'est le pied là, upon laying her feet. J'ai dit ça y est, I say this is it. Je suis descendu. And I came down. J'ai attrapé le pied qui a le défaut. I called the leg which was laying on. J'ai dit toi pied. I say you leg. Je te donne la vie. I give you life. Reçois la vie. Receive life. Après, je dis bougez le pied. And after move your leg. Il a bougé. She move. Bougez l'autre. Move the other. Elle a bougé. She move. J'ai dit bouge. I say move. Elle a bougé. She move. Je dis marche. Say walk. Hallelujah. Amen. Lorsque un homme qui était boité là-bas, il a vu ça.
When the man sitting on the back saw that, il a couru à la chair. He ran to the platform. Je dis si la première fois Dieu a répondu. I say if the first time God answered. La deuxième fois il répond. Then the second will be okay. Je le touche le pied. And I touch his leg. Je dis au nom de Jésus. I say in the name of Jesus. Je donne la vie. I give life. À ton pied. Onto your leg. Marche. Walk. Vraiment. Frère. Brother, vous avez quelque chose. You have something. Exploitez la chose. And handle the thing. Amen. Il a marché. He walked. Après, after, c'est le pasteur qui m'amène une de ses brebis. And the pastor brought me one of his sheep. Un monsieur responsable. Et, you know, a responsible man. Le pasteur. Il s'est pasteur. Mon fils là, on l'a enlevé du travail, ça fait deux ans. My son been fired, it's been 2 years. Il souffre avec sa femme. He's suffering with his wife. Je vous l'amène pour que tu lui donnes le travail. I'm bringing you so you may give him the work. Amen. Frère. Brother. On peut adorer quelqu'un. We can worship someone. Je dis prions. I say let's pray. Je dis au Dieu tout puissant. I say Almighty God. Moi, ton serviteur. I'm your servant. Je lui donne le travail. I give you the work. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Il est parti à la maison. And he went home. Nous sommes dimanche. We were on Sunday. Pendant qu'on est dimanche, je viens de prier. While we pray on Sunday. Le lundi. On Monday. Le président de la République congolaise, M. Tshisekedi, a convoqué une réunion. Amen. The president of the Republic of Congo called a meeting. Amen. Amen. Sur la réunion. We call a meeting. Il a été décidé. He has been decided que ce frère que j'ai prié pour lui, that the brother I pray for him, avec la signature du président, with the signature of the president, et la complicité du ministre de l'environnement, and the outcome of the minister of the environment, il est nommé coordinateur général de la province. He has been appointed general management of the province. Amen. Pendant qu'il est en train de dormir, while he was sleeping, nous sommes le lundi mais vers 23h. We were Monday around 11 p.m. Dès que la réunion est terminée, as soon as the meeting was over, on appelle au téléphone. They rang his phone. Il reçoit le téléphone. And he opened the phone. C'est qui? Who is this? C'est moi, le ministre de l'environnement. It's I, the minister of the environment. Vu l'ordonnance. According to the decree. Vu l'ordonnance. According to the decree. Vu l'ordonnance. According to the ordinance. Qui annule. Ou canceling. Votre suspension. All the coming forward. Le président de la République. The president of the republic. En collaboration avec le premier ministre. In collaboration with the prime minister. Et le ministre de l'environnement. And the minister of the. Décide. Decide. Vous êtes nommé. You will be appointed. Coordinateur général des affaires de l'environnement. General coordinator of the business. Frère, le matin. Brother, the morning. C'est le gouverneur qui l'appelle. It was the governor who rang. J'ai reçu les instructions. I received special instructions. D'installer le plus vite possible ton bureau. Install ASAP your home. Amen. Il y a Dieu ici. There is God here. C'est pour vous. It's for you. Donnez-moi un amen. That's the church, amen. Je crois sous la même onction. I believe under the mention. Qui va changer la situation de quelqu'un quelque part. Who can change someone's situation. Amen. Lorsque le frère l'a vu comment l'enfant, la mère s'est levée. When the brother said, as the rain was fixed, une sœur était à l'église, il a laissé son papa à l'hôpital, son papa à la maison qu'on a chassé de l'hôpital parce que il a un problème cardiaque et il va mourir. Le docteur a dit, si je suis véritablement un médecin cardiologue, si votre père arrive le mardi, alors je laisse le travail. Then a sister who has her father on terminal phases.
Amen. Frère, la sera du quoi? Brother, sister, sera comme une main sèche. A dry hand. Elle est sortie de l'église. She went out of the church. Elle a pris la moto. She took the car. Elle est allée à la maison. She went home. Regardez son papa gros. Look how big was the father. Il soulève son papa. She lift up her father. Papa, allons, allons, daddy, allons, allons. Daddy, let's go, let's go. Il y a Dieu qui nous a visités. There is God who visited us. Rama. De quoi? What? Dieu. God. Que papa y a Dieu. Daddy, let's go. There is God. Qui nous a visités? Who visited us? Le papa lui dit. The father said. Je ne peux pas arriver. I cannot get there. Je vais mourir en route. I'm gonna die on the way. L'enfant dit, si c'est ce Dieu là qui m'a dit de venir vous prendre. The child said, if it's that God who tell me to come to pick you. Tu ne mourras pas. You won't die. Allez, entre dans le taxi. Then enter in the taxi cab. Il est rentré dans le taxi. And he entered into the cab. Dès qu'il arrive à l'église, je suis sur la ligne de prière. As soon as I got to the church, I was in the prayer line. L'enfant là attrape son papa, il appelle le diacre. Call the father, call all the deacons. Regarde l'homme comment il fait. Help me. Quand je tourne comme ça, when I turn my back, je suis en face d'un moribond. I'm facing, you know, someone. Je laissais la personne que je priais pour lui. I let the person I was praying upon. Je suis venu, je ne savais pas son problème. I came, I didn't know his problem. Je pris ma main, j'ai mis au cœur. I took the hand, I put it in the heart. Je dis, monsieur, I said, sir, je restaure votre rythme cardiaque. I restore. Je chasse le démon. I'm casting the demon. Au nom de Jésus Christ. Unto Jesus Christ. Dieu m'a témoin. My hands left. Quand on a terminé, when you finish, le monsieur est sorti seul. The man went out alone. Il est descendu seul. He descended alone. Oh, Jésus. Amen. Amen. Il a été complètement guéri. He was being totally healed. Amen. Glory to God. I believe. Amen. Quand j'ai terminé, when I finished, l'autre pasteur m'a appelé pour tenir la campagne de deux jours. The other pastor called me to help a campaign of 2 days. Frère, brother, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. I don't know what's happening to me. Dieu est en train de nous amener quelque part. God is taking us somewhere. Je vous dis que ça doit commencer ici. I'm telling you, God, it got to start here. On m'amène un homme qui est sur la chaise. They brought me someone on the. On a soulevé la chaise et la personne. They lifted both the chair and the person. Sur la ligne de prière, on l'a déposé là. I went to pray when they lay him on the ground. J'étais en train de prier, j'ai prêché. I was praying and preaching. Quand je commence à chasser les démons, when I was starting casting the demon, le monsieur était paralysé tout ce bras avec un pied. The man has one of his side paralyzed. Je commence à chasser les démons. I started on casting the devil. Et à la fin, je dis, levez les mains. And at the end, I said, lift up your hand. Ce monsieur faisait comme ça. And the man comme ça. Was trying to do that. Je dis, levez la main. I said, lift up your hand. Allez bouger les pieds. Then move the left. Après, je dis, allez, mettez-vous debout. And after, I said, stand up. Ce monsieur s'est mis debout. And the man stood up. On l'a soutenu et s'est mis debout. He been helped and he stood up. Comme il n'était pas loin de la chair. I was not far from the pimping. Je me suis approché, venu. And I came close. Je brother. Dis, donne-moi ta main. I said, give me your hand. Il m'a donné la main. He gave me his hand. Je dis, Seigneur. I said, Lord. Je donne la vie. I give life. Aux pieds et aux bras de cet homme. Onto the leg and the arm of that man. Recevez la vie. Receive life. Nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Je dis, maintenant, bougez la main. I said, now you may move your hand. La main qui était comme ça. The hands who used to be this ma way. Ma main arrivait là. The hand. J'ai dit, bougez le pied. I said, move the leg. Allez, marche. And walk. Frère, brother, il a commencé à marcher. He start on walking. Et il a posé la question au diacre, où est le bâtisseur? And the question the deacon, where is the pool? Amen. Amen. Il est allé prendre le baptême. He went to get baptized. Yes, sir. Le deuxième jour, and the second day, quand les gens écoutaient ça, when people heard that, c'est un autre paralytique qui est arrivé. It was another paralytic who came along, avec sa femme, with his wife. J'ai fini, j'ai commencé à prier. So I start praying. Il est arrivé. He came. On me l'a amené proche. They brought him close. Je l'ai
posé les mains. I lay hands upon him. J'ai dit, papa, I say, Father, je veux que tu marches. I want you to walk. Si toi-même tu veux marcher, if yourself you want to walk, mets-toi debout. No more stand. Allez, va prendre ton taxi. And go take your car by yourself. Tu vas à la maison. Go home. C'est comme de la blague, hein? He was joking. Il s'est mis debout. He stood up. Il a mis le pas. And he put one step. Sans marcher. Il a mis le deuxième. The second step. Et après, and he had the one walking all around. Il a pris le taxi, les pattes. Vraiment. Une femme, a woman, qui a été opérée 4 fois, who's been operated 4 times. Le docteur va le proclamer pour l'opérer demain lundi. The doctor proclaimed to go under surgery on Monday. Elle n'est pas venue à la campagne. She hasn't come to the campaign. Elle était pour elle de passage. And she was only passing by. Quand elle arrête là-bas, il y a quoi ici? When she came, she asked, "What's going on here?" Il y a la campagne. There is the campaign. D'accord, je vais écouter. So I'm going to listen. Quand elle s'approche, and she came close. Dieu le touche. And God touched her. La chose qui était dans le ventre, the thing on her womb, a disparu. Disappear. Elle touche comme ça. She touched her baby. Il n'y a plus haut. Nothing more. Amen. On m'a amené un enfant sourd muet. They brought me a dumb. J'ai fini même la réunion. I all done of the meeting. J'étais en train de partir pour boire. I was leaving. Salem Jubilé était en train de dire, papa, allons-y. Salem Jubilé said, daddy, let's go. Après Salem me met la main. And Salem touched my shoulder. Papa, il y a un sourd ici. Daddy, there is a dumb person here. J'ai quitté l'estrade. And I left the platform. J'ai pris seulement la main. And I took only the hand. J'ai pris mes deux doigts. And put my two fingers. Ses oreilles. And I put in his ears. Et toi, Satan. Are you Satan? Sors. Go out. Toi, démon qui l'empêche de parler. You demon preventing to sort. Come out. Enlevez les mains. I remove the hand. Je prie mes deux mains. I put both je my hands. Là. I smash. Tu entends? Can you hear? Elle m'a dit non. I say no. Je tourne. I say turn around. Je tapais là. I smack them. Tu entends? Can you hear? Elle a dit non. I say no. Je suis revenu. And I came back. Je tapais. I slapped. Puis j'entends un peu. I say, I heard a little. Et on passe ici. I say let's go. On tape encore. I slap again. J'entends. Yes, I heard. Allez passer là. So we come here. J'entends. I heard. Allez parle. I speak. Jésus. Jesus. Elle a crié Jésus. And she cried Jesus. Papa. Papa. Dada. Maman. Mother. Maman. Mother. Je dis ça y est, j'ai emballé mes choses, je suis rentré dans la maison. I said this is, I took my sack and I left. Woman. Vous avez Dieu. You are God. Yes, sir. Indeed. Amen. Amen. On m'a amené un autre malade, gravement malade. They brought me someone else terrible. Il était dans le coma. Il a fait au moins plus de 15 jours dans le coma. He spent at least more than 15 days in the coma. Je m'approche de lui, je commence à prier. I came close and started praying. J'ai chassé l'esprit là, j'ai parlé, j'ai prié. I cast the spirit, I pray. Je sens aucune réaction. And I felt no reaction. Je vais continuer. I wanted to continue. Une voix dit, a voice told me, laisse, il va mourir. Let him be, he's going to die. J'ai levé la main. I removed my hand. Salem me dit, mais papa, tu as laissé. Salem said, but daddy, you removed. J'ai dit, il va mourir. I tell you, he's going to die. Je suis parti, après 2 jours, il est mort. And I left, and after 2 days, he died. Yes, sir. Nous vivons aujourd'hui. We live in today. Dans l'âge. Unto the age. Où Dieu est dans les hommes. Where God is into man. Frère. Brother. Ce que vous voyez avec moi, vous le verrez avec vous. What you see with me, you're going to see with you also. Si du moins vous m'en croyez. If at least you believe in me. Yes, we do. Amen. Amen. Frère Baran me dit, je vais terminer ici, laisser ici. What the bomb say by closing? Exposé 163. Exposition 163. Ainsi, quand un homme né de l'esprit, when a man born is born of the spirit, rempli de l'esprit, filled with the spirit, accepte avec foi la parole dans son cœur, accepts with faith the word within his heart, et qu'il la porte sur ses lèvres, and he brings upon his lips, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. It comes to say that is a deity talking. Toutes les montagnes doivent s'en aller. All the mountains must go. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Satan cannot resist unto such a man. Il ne peut pas résister. He cannot resist. Amen. Amen.
Maintenant, tout ce que nous venons de parler avec Moïse, Élie, tous ces gens-là, Frère Branham dit que n'était qu'une préfiguration de ce jour. Amen. Everything we talk, Brother Branham said, was only a pre-shadow of his day. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Because the Old Testament is the shadow of the New Testament. Et le messager dit. And the messenger says. L'Ancien et le Nouveau Testament. Both the Old and the New Testament. C'est l'ombre de ce jour. Are the shadow of his day. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu. That's why God. Était dans Frère Branham. Was within Brother Branham. Pour discerner les pensées. To discern the thoughts. Dieu. God. Était dans Frère Branham. Was within Brother Branham. Pour guérir les malades. To heal the sick. Je n'entends pas des amen. I can't hear your amen. Dieu est dans le pasteur Baruti pour guérir les malades. God is in Pastor Baruti to heal the sick. Je n'ai pas entendu de grands amen. I haven't heard. Hein? Amen. Dieu est ici dans votre pasteur. God is here unto your pastor. Et il m'a envoyé pour vous. He has sent me for you. Thank you, Lord. Je suis un cadeau de Pâques pour vous. And it's a present for you. Amen. Si vous voulez croire, c'est bien. Si vous ne croyez pas, c'est votre. If you believe, it's good. If you not, it's up to you. We believe, sir. We do believe. Maintenant, Frère Branham est allé se reposer. Now, but of going to rest. Est-ce que cette onction-là va au tombeau? That anointing is going to leave us. Cette onction-là est dans l'épouse. That very anointing is in the bride. Et Dieu est en train de susciter les vrais auxiliaires. And God is bringing the true auxiliaries. Et il va le oindre de cette onction qui était dans Frère Branham. And he's going to anoint them from that anointing that was in Brother Branham. Pour accomplir les œuvres. To fulfill the works. Y a pas d'amen? Don't you say amen? Avant de voyager. And travel. Avant de voyager. Before traveling. À la maison. At home. Mon épouse a senti de la grippe. My wife felt the flu. Elle a dit, chérie, je sens de la grippe. Est-ce que vous n'avez pas le matinatum qu'on tire là? Comment on appelle ça? Hein? Ce qu'on tire, le Vicks qu'on tire là. She said, don't you have the menthol? I feel the flu. Je lui ai dit, il n'y a pas. I said, there is not. Mais lorsque je vais sortir, je vais vous amener ça. Once out, I'm going to bring it back. Frère, brother, nous quittons la maison. We leave the home. Pour rentrer dans ma petite voiture. To go to my little car. Quand maman ouvre la porte là où elle s'assoit. When she opens the door where she sat. Elle trouve ça là. She finds the mantle on the seat. Amen. Tout neuf. All new brown. Je crois. I believe. Que les anges sont à votre service. That the angels. Are at your service. Pour amener les choses dont vous avez besoin. To bring you the thing that you need. Oh. Frère, nous sommes arrivés à Kinshasa. When we came to Kinshasa. Quand elle m'a raconté ça, j'ai eu peur. When she told me that, I got afraid. Maman ferme la maison. Maman say close the house. Le magasin où elle met ces choses, la nourriture et tout. The storage of the food. Elle enlève la clé. She removes the key. Elle donne à mon petit neveu. And she gave unto my little nephew. Je vais partir, je reviens. I'm leaving, I'm going to come back. Neveu retient les clés. And the nephew kept the key. Comme maman est partie au marché, le neveu est sorti, il est parti avec la clé. As mom said, went to the market, le nephew maman went to arrive, park. Elle veut toucher la porte est fermée, il n'y a pas la clé. When she came, she knocked the door, it was locked with no key. Elle a attendu un peu. She waited a little. Il n'y a pas la clé. No key. Il a dit, mais l'heure est en train de passer, Seigneur. She said, the time is passing, Lord. Et je vais préparer la nourriture. And I want to cook the food. Elle se dirige vers la porte. She directs toward the door. Quand elle met la porte, la met. When she put her hand, la porte s'ouvre sans clé. The door opens with no key. Amen. C'est la vérité. Is it the truth, Mama said? Qu'est-ce qui se passe? What's happening?
Pourquoi ces choses? Why those things? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? La colonne de fer. The pillar of fire. Et ici. Is here. Dieu. God. Est en train de oindre son peuple. He's anointing Vous his verrez people. De grandes choses. You will do great things. Amen. Lorsque je terminais à Kisangani avant de venir, when I was done in Kinshasa before leaving, un pasteur qui vient proche de moi de Rwanda, a pastor coming straight from Rwanda, il a entendu parler de moi. He heard about me. Il est arrivé. He came. Tu passais mon sengo. Je passe mon sengo. Écoutez ce que Dieu m'a dit de vous dire avant Listen de venir. Listen up what God told me before. Dieu m'a dit de vous dire. God told me to tell you. Que ce que tu vois dans ton ministère. What you see in your ministry. Ce n'est que le début d'un grand ministère. It's only the beginning of a great ministry. Et tu vous verrez des choses extraordinaires. You see, you will see extraordinary things. Ces choses extraordinaires. Those extraordinary things. Ça serait pour attirer qui? To attract whom? Mais c'est vous. But it's you guys. Si hier, if yesterday, vous avez eu des doutes sur mon ministère, you have a doubt upon my ministry. Ce matin, this morning, croyez sans raisonner, believe without reasoning, et vous serez le premier bénéficiaire. And you're gonna be the first beneficiary. Amen. Yes, sir. C'est pourquoi. That's why. J'ai eu l'inspiration de vous prêcher sur le discipulat. To preach you guys upon the discipleship. Asseyez-vous. Sit down for a while, please. Merci beaucoup. Thank you very much. Tableau. The board, please. Le discipulat. The discipleship. Discipleship. Je mets la fondation, le fondement. And I'm gonna put the fundament. Le discipulat. Discipleship. C'est vraiment c'est un terme latino. It's truly a Latino term. Que eux, ils appellent discipulus. That they call discipulus. Ça provient du terme discipula. It comes from the word discipleship. Lorsque on parle de discipula, when we talk about discipleship. Oui, c'est bon. Donc je disais et je parlais de discipulat. So I'm saying that I was talking about the discipleship. C'est un terme latino. It's a Latino term. Qui veut dire discipulus. That means discipulus. Et si vous regardez très bien. Dans discipulat. And if you look closely onto discipleship, si vous regardez très bien dans discipulat, if you look closely into the word discipleship, vous trouvez un mot caché. You'll find a hiding word. Disciple. Disciple. Or, le discipulat. Though discipleship. C'est l'art de former des disciples. The art of training disciples. Et c'est lui qui forme les disciples. All the one who train disciples. Il est maître. He is a master. Yes, sir.
Et un maître. And a master. Et celui qui a des connaissances acquises. It's a one who got acquired knowledge. Ou bien c'est quelqu'un qui maîtrise l'art. Or someone who masters the art. Et un disciple. And a disciple. C'est quelqu'un qui est sous le contrôle du maître. A disciple is someone under the management of a master. Pour faire quoi? To do what? Pour recevoir un enseignement. To receive a proper teaching. Pour recevoir une vision. To receive a vision. Pour acquérir, to acquire, une connaissance, a knowledge, très élevée, very high. Et le souci du maître, the burden of the master, lorsqu'il est en train d'appliquer son discipulat, when he's applying his discipleship, c'est pour que le disciple. Et for the disciple, qu'on appelle en d'autres termes l'élève, that we call in other words the student, puisse devenir comme lui, may become like him, the master. Et on ne devient pas maître en un jour. And we do not become a master only in one day. Yes, sir. Le disciple, the discipleship, exige beaucoup de patience. Needs or takes a lot of patience. De tempérance. Temperance. Le discipulat. The discipleship. Exige beaucoup de persévérance. Takes a lot of perseverance. Celui qui veut devenir le disciple d'un maître. One comme disciples of a master. Doit d'abord connaître qu'est-ce qu'il cherche. Must first of all know what he's searching for. Quels sont les objectifs qu'il doit atteindre? What are the purpose that he have to reach? Et on ne peut pas donner l'élève à n'importe quel maître pour l'enseigner. And we cannot give as a student unto any one master to teach him. Il faut que ça soit quelqu'un qui a la maîtrise de la matière. It has to be someone who got the mastership of the matter. Quelqu'un qui s'y connaît très bien. Someone who knows very well the thing. Même les parents qui vont donner leur enfant à un maître pour l'enseigner, pour l'instruire, pour l'incarner l'art, ils doivent être trop sûrs que ce maître-là peut faire quelque chose. The parents must be sure that the master can do something before turning their sons. C'est pourquoi. That's why. Salomon. Salomon. Dans le livre de Proverbes. Onto the book of Proverbs. Chapitre 1. Là où nous avions lu. Where we read in Solomon Proverbs chapter 1. Il dit ceci. He said this. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Amen. Amen. Le commencement de la science. The beginning of the wisdom. L'insensé méprise la sagesse. And the fool refuses the wisdom. Et l'instruction. And the instruction. Verset 8. On to the verse 8. Suivez-moi bien. Follow closely, please. Écoute. Listen. Mon fils. My son. L'instruction de ton père. Hear the instruction of thy father. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. And forsake not the law of thy mother. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. For there shall be an ornament of grace upon thy head. Mon fils, my son, que j'ai engendré, that I begotten, écoute, listener, l'enseignement de ton père,
Your father teaching. L'instruction. The instruction. De ton père. Of your father. Et l'enseignement. And the teaching. De ta mère. Of your mother. Dans notre cas ici. In our very case. Le papa de cet enfant ici est maître pour cet enfant. The father of the son is a master for his son. Et sa maman aussi est maîtresse pour cet enfant. So does the mother. Donc la maman fait la complémentarité du ministère, ou bien je veux dire du travail de son père. Therefore the mother completes, you know, the teaching of the father. Et si nous ramenons ça dans le spirituel, and if you bring into the spiritual, le papa c'est le pasteur. The father is the pastor. Yes sir. La maman c'est l'église. And the mother is the church. Yes sir. Salomon attire l'attention de son fils. Solomon is attracting his son attention. À écouter. To listen. Ses instructions. His instruction. En d'autres termes, tout ce que le pasteur dit. In other words, everything that the pastor is saying. Tu dois écouter. You must listen. Tout ce que l'église croit. Everything that the church believes. Tout ce que l'église enseigne. Everything that the church teaches. Vous devez écouter. You must listen. Cet enfant ici. That very child. Que Salomon parle. That Solomon is talking about. C'est vous. It's you guys. Amen. 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 Allons au proverbe 4. Now let's go on to the proverb 4. Nous étions au 4e verset. Chapitre. Hein? Verset 1. Écoutez. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme on lit le journal. When we read the Bible, do not do like we use, you know, a newspaper. Allez, lisons avec moi. Allons-y. Let's read together. Écoutez, mes fils. Yeah, yeah, children. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Amen. Car je vous donne de bons conseils. Amen. Ne rejetez pas mon enseignement. Amen. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Amen. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Au chapitre 4, on to the chapter 4. Salomon ne parle plus à un fils. Solomon talks no more unto a child. Au chapitre 1, on to the first chapter. Il dit, écoutez mon instruction, mon fils. He said, listen to my instruction, my son. Au chapitre 4, on to the chapter 4. Écoutez mes fils l'instruction d'un père. Listen, son. The father's instructions. Vous voyez? You see? Ces enfants-là, those children, ils sont passés d'un à plusieurs. Went from one unto many. Au début, in the beginning, c'était un fils. He was one. Mais après un moment, but after a time, ce n'est plus un fils. He's no more a son. Ça devient le fils. He becomes son. C'est la loi de la reproduction. It's a reproduction law. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui. That's what I was talking today. Le premier point de discipula. The first point of the discipleship. C'est la reproduction. It's a reproduction of the kind. Amen. Amen. Écoutez mon enseignement. Listen my teaching. Mon fils. My son. Écoutez mes instructions. Listen my instructions. Mes fils. Sons. Ils sont passés de un. They went to one son. À plusieurs. On too many children. C'est ça la loi de Dieu. This is God's law. C'est pourquoi au commencement. That's why in the beginning. Dieu n'a pas créé tout le monde à la fois. God haven't created everybody at the same time.
Dieu God a créé une personne. Created one person. Fait Balaam dit. What the Balaam said. Dieu God a amené le tableau un peu ici. Avancez un peu ici. Dieu était l'esprit à sept couleurs. God was the spirit on two seventh colors. Maintenant, cet esprit a sept couleurs. Now, don't you know those colors? Ce grand esprit de Dieu a sept couleurs. That's the spirit of God with seventh color. Avec des attributs. He had attributes. Il couvrait toute l'éternité. To have all eternity. Cet esprit de Dieu. That spirit of God. Avait des attributs. Had attributes. Père. Father. Fils. Son. Guérisseur. And sister. Sauveur. And savior. Tout ce que vous connaissez bien, everything that you know, c'était en lui. Was in him. Et là, Dieu était un seul. And there, God was only one. Mais dans sa pensée, but unto his thought, Dieu n'était pas satisfait de rester seul. Was not satisfied of his own. Parce que tout ce qui était caché dedans, because everything hid in there, doit être matérialisé. Umbrella. Il y avait l'attribut du créateur. He had the attribute of creator. Il y avait l'attribut du sauveur. And he had the attribute of the savior. Il y avait l'attribut du guérisseur. The attribute of the healer. Pour sauver. To save, il faut que quelqu'un tombe. It takes someone to fall. Pour guérir, to him, il faut que quelqu'un tombe malade. It takes a sick person. C'est pourquoi Dieu. That's why God. Alléluia. Amen. Il a exprimé. He expressed son attribut du créateur. His creator attribute. Et en exprimant l'attribut du créateur, and expressing the creator attribute, il a créé son premier fils. He created the first son. Et ce premier fils, and that first son, on l'appelle le Logos. It's called Logos. Amen. Amen. C'est une partie du Père. It's a part of the Father. Yes. Et ce Logos. And that's Logos. C'est la théophanie. It's a theophany. C'est un homme. It's a man. Il a les bras. He had arms. Il a les pieds. He had legs. Il a les mains. He had arms. Il est un petit Dieu. He has a little God. Lorsque Dieu, when God, avec le logos la théophanie est matérialisée, so that the logos the theophany got materialized, Dieu n'a pas voulu qu'il reste là et le logos reste là. God haven't wanted to be there and the logos also. Parce que lui aussi c'est un Dieu. Because him also is a God. Si vous me suivez, donnez-moi le meilleur de votre main. Now they follow, let's just alors, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Then what God did? Dieu a pris tout ce qui est attribué ici. God took all the attributes. Et il a déversé là. And he poured. Quand il a déversé tout ici. When he poured on the second. Dieu s'est supprimé. And God suppressed or canceled himself. Donc Dieu. Therefore God. Est devenu un. Has become one. Dans un même corps. Unto a same body. Avec son fils. With his son. Le logos. The logos. Et le fils est devenu Dieu. And the son has become God. Et la Bible dit. And the Bible said. Au commencement. In the beginning. Était la parole. Was the word. La parole. The word. Était avec Dieu. Was with God. Et la parole. And the word. Était Dieu. Was God. Cette parole. That word. Qui était au commencement. Was in the beginning. Ce n'est pas la lettre. It's not the letter. Yes, sir. C'est un corps. It's a body. C'est pourquoi. That's why. Si vous continuez dans Jean 1, if you keep on John 1, la Bible dit, the Bible says, cette parole là, that very word, qui était le logos, which was the logos, dans l'Ancien Testament, all to the Old Testament, on l'appelait logos, called logos, on l'appelait l'ange l'éternel, called the angel of on the l'appelait Lord, l'éternel, called the on Lord, l'appelait Elohim, called Elohim, on l'appelait Melchizedek, called Jehovah, on l'appelait Jéhovah, called Jehovah, cette parole. That word, ce logos, that logos, ce Dieu, that God, ce Melchizedek, that Melchizedek, cet Elohim, that Elohim, est devenu chair, has become a flesh. Amen.
compris. All those. Donne ça aussi. The other also. Voilà le Logos qui était à l'éternité. Here the Logos who was held in eternity. Donc dans le Nouveau Testament, therefore in the New Testament, c'était celui-ci qui se manifestait. There was this one who manifested himself. Et quand il sort de la lumière, and when he comes out of the light, il a les pieds. He had legs. Il a les bras. He had arms. Il peut marcher. And he can walk. Mais son désir, but this one, c'était de sauver l'homme. Was to save the man. Or, lui là ne peut pas sauver l'homme. Though this one cannot save the man. Parce que la loi de la rédemption exige. Called the redemption law compels. Que pour sauver l'homme, that to save the man, il faut donner le prix. It takes the price. Et le prix qui a été exigé. And the price desired. C'est la mort. Is death. C'est pourquoi lui. That's why he. Le Logos. The Logos. Le Père. The Father. Elohim. Elohim. Jéhovah. Jehovah. Melchizedek. Melchizedek ne pouvait pas mourir. Could not die. C'est pourquoi pour mourir, that's why to die, il était obligé d'avoir un corps. He was compelled to have a body. Afin que ce corps, so that body, meure, dies, pour le salut de l'humanité. So save of, lorsque Jésus-Christ, when Jesus Christ, était sur la terre, was on the earth, les deux, both, le the Father et la chair fils and the flesh son étaient un. Were one. Vous voyez, you see, ce qu'il a fait dans l'éternité, what he did in eternity, c'est ce qu'il a réalisé dans le temps. And what he realized on tout time. Quand le Père, when the Father et le Fils and the Son sont devenus un, has become one, alors le Fils, then the Son a commencé à créer, started to create, afin de manifester les autres fils. In order to manifest the other sons. C'est pourquoi il a créé Adam. That's why he created Adam. Et il a créé Eve. And created Eve. Amen. Je veux un amen. Amen. Effacez-moi un peu, juste un peu. Qui a compris ça? Wonderful. Bien facile, bien facile. Vous êtes fatigué? Are you guys tired? Maintenant. Now. Je vais vous montrer un mystère. I'm gonna show you something. Oh, c'est merveilleux. That's wonderful. Ton Dieu, then God, après toutes ses qualités et ses attributs, took all qualities and attributes, il a placé dans son fils, and he put within his son, le Logos, the Logos. Donc à partir du Logos, therefore from the Logos, le Père peut créer, the Father can create. Le Père peut délivrer. The Father can set free. Le Père peut guérir. The Father can heal. Et encore plus loin là. And further. Il doit devenir un homme de chair. He must become a man of flesh. Quand il est devenu un homme de chair, when he has become a man of flesh, il doit prendre ce qui était au commencement là où le Père et le Fils sont devenus un là. He must take what was in the beginning where he became one with the Father. Placer ça dedans. And position inside. Ce corps. This body est devenu le buisson Adam. Has become the burning bush. Celui qui est dedans, the one inside, c'est Dieu. Has become God. C'est pourquoi la Bible dit, that's why the Bible says, Dieu, God, était en Christ, was in Christ, pour réconcilier le monde avec lui-même. To reconcile the world with himself. C'est pourquoi nous that's croyons. That's why que Jésus Christ, that Jesus Christ est le Dieu tout puissant fait chair. He is a God Almighty made flesh. Yes, sir. Je peux. Yes, you may. Ce même Dieu qui était en Jésus, that same God in Jesus, c'est le même Dieu qui est en vous. It's the same God in you. La différence entre toi et Jésus, the difference between you and Jesus, est que ton corps est passé dans le ventre par le sexe. Is that your body went through the womb by sex? Alors que son corps est venu au monde par la parole. Though his word came into the world by the. Pourquoi? The world.
Why? Jésus n'est pas né par le sexe. Jesus wasn't born through sex. Parce qu'il a été choisi et élu par Dieu comme rédempteur. Because he has been chosen and elected by God. Pour sauver quelqu'un, to save someone, tu dois avoir le sang pur. You must have a pure. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas le résultat de l'homme et de la femme. He's not the outcome of a man and a woman. Parce qu'il a une mission, because he had the mission, sauver l'humanité, to save humanity, et réconcilier Dieu avec l'homme. And reconciling God with the man. En soi, nous avons le même Dieu. Itself, we have the same God. Ce qui nous diffère de Jésus, c'est le corps. What makes the difference is only the body. Qui a compris? Who understood? Bon, je vais terminer. Then I can close there. Lorsque Dieu a créé Adam, when God created Adam, comprenez-moi bien. Understand well, please. C'est de, donc en créant même le logos. By creating even the logos. C'est le disciple là qui a commencé. Is the discipleship to starting. Dieu veut quelque chose. God says some. Quand il crée le logos. When he created the logos. C'est le disciple là qui a commencé. It was the discipleship who started. Quand il crée Adam. When he created Eden, nous sommes pleinement dans le disciple là. We stand fully into the disciples. Mes chers amis, je voulais dire quelque chose à l'église, mais je crains qu'elle ne croie pas. You may say, sir. Go ahead. Je peux? Yes, you may. Lorsque Dieu a créé Adam, when God created Adam, il a créé Eve. He created Eve. Eve est devenue le champ. Eve has become the field. Et lui, il est le porteur de la semence. And he is the bearer of the seed. Amen. Amen. Yes, sir. Ça va vraiment choquer ce que je vais dire. It's going truly to shock you guys. C'est pourquoi Dieu n'est plus descendu pour te créer toi, comme il a créé Adam. That's why God is no more descending to create you, as he created Eden. Ce que Dieu a créé, ce sont les cellules. What God created are the cells. Ce que nous appelons les spermatozoïdes. What we call spermatozoïdes. C'est ça qu'il a placé dans Adam. That's what he put into Eden. Pour que la loi de la reproduction soit continuelle. So the production law be ongoing. Amen. Et la Bible dit and the Bible, cette loi de la reproduction law, doit exactement être selon son espèce. It must exactly be according to kind. Donc le disciple discipleship est appliqué dans les êtres humains et dans la nature. Is applied both unto the human beings and into the nature. Les cochons produiraient les cochons. Pigs will produce pigs. Les oiseaux produiront les oiseaux. Birds will produce birds. Les hommes produiront les hommes. And men will produce men. C'est le disciple là. That's the discipleship. Yes, sir. C'est pourquoi observer la nature. That's why observe the nature. Les animaux. Animals. Qui viennent de naître. Who just get born. On doit les garder quand même pendant un temps caché. They must keep, be kept for a while, hide. Yeah. Printemps, but after a time, their parents, papa et maman, father and mother, vont les faire sortir dehors, gonna cut them outside, pour les entraîner aux disciples là, to train them onto the discipleship. Ce sont les enseignements, there are the teachings, de son père, of his father, et de sa mère, and his mother, qui va diriger la vie de cet animal là toute la vie, who's gonna rule the life of that animal all his life long. Si cet animal là, if that animal, ne saisit pas, does not. La pensée du père, the thought of, et de la mère, and the mother, il va mourir. He's going to die. Yes, sir. Of course. Dans les êtres humains, unto the human beings, c'est la même chose. It's the same thing. Par Adam, through Adam, nous sommes tous issus. We all came.
la loi de la reproduction, or the law of reproduction, doit s'accomplir dans toute la postérité ou bien dans toute la race d'Adam. Must be fulfilled unto all offsprings of Eden. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus nombreux. That's why today we have become numerous. C'est pourquoi nous avons peuplé la terre. That's why we, you know, put the people, the full. À cause de la loi de la multiplication, la loi de la reproduction du discipulat. Because of the reproduction law of the discipleship. Lorsque Dieu dit à Adam, when God said unto Adam, ne touche pas cet arbre. Do not touch that tree. Ne touche pas ça. Do not touch this. Ne mange pas ça. Do not eat that. Ne touche pas ça. Do not touch this. Qu'est-ce que Dieu était en train d'enseigner à Adam? What God was teaching unto Adam? Le disciple. Discipleship. Yes, sir. Donc Dieu, therefore God, devient le maître. Becomes the master. Adam et Ève, and Adam and Eve, sont des élèves. Are the student. Yes. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? What was God doing? Il était en train de transmettre sa pensée. He was transmitting his thought. Dans Adam. Onto Adam. Dans Eve. Onto Eve. Pour qu'un jour, so one day, Adam et Eve, both Adam and Eve, puissent transmettre cette même pensée de Dieu à la race humaine. May transmit that very same thought of God unto the human race. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Si le maître lui-même, if the master himself, qui doit être capable, who must be able, d'enseigner les autres, to teach the other, de transmettre l'art, to transmit the art, est tombé, has fallen. Quelles conséquences pour les élèves? What consequences for the other? C'est pourquoi, that's why, on ne choisit pas n'importe quel maître pour vous transmettre l'art. We do not choose anyone mere master. Je ne marche pas les mots. Le maître doit être l'exemplaire des élèves. And I'm saying the master must be the example of the student. Si ça ne va pas avec le maître, if he's strong with the master, ça ne marchera pas avec les élèves. He won't work with the student. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Non, donnez-moi encore un amen. Let's say amen then. C'est pourquoi, that's why, le péché d'Adam, Adam's sin, a été répercuté dans toute la race humaine par le sexe. Has been ongoing onto the human race by sex. Pourquoi? Why? Le disciple là a été sué. Amen, amen. The discipleship has been deferred. Yes, sir. Ça a été sué. Yes, been deferred. Le maître est rentré dans l'organisation. The master has entered into organization. Toute l'église est rentrée dans l'organisation. So does all the church. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le choix d'une épouse. That's why Apostle Branham said on the choosing of a bride. Que les brebis dans une église reçoivent l'esprit de leur pasteur. That the sheep in the church receive the spirit of the pastor. Si le pasteur n'a pas Dieu dedans, if the pastor does not have God, ceux qui sont dans l'église ne recevront pas Dieu. Those in the church will not receive God. Yes. Si le pasteur a rencontré Dieu, if the pastor met up with God, ceux qui sont dans l'église, those in the church, ceux qui l'écoutent, those who listen, finiront à rencontrer Dieu. Will finish up meeting up with God. Si le pasteur, if the pastor, croit au surnaturel, believe in the supernatural, les croyants de cette église vont croire au surnaturel. The believer will believe in the supernatural. Si le pasteur, if the pastor, manifeste le surnaturel, manifest the supernatural, ses brebis manifestent. Le surnaturel. A sheep will manifest the supernatural. Dites à celui qui a tes côtés, c'est la loi de la reproduction. Tell the one by your side, it's the reproduction law. Amen. 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 Mon fils, my son, écoute l'instruction. Listen of the instruction de ton père. Of your father. Écoute. Listen. Dieu compare toutes les brebis aux bêtes. God compares all the sheep to beasts. Seul le pasteur est l'homme. Only the pastor is the man. Quand tu vois une brebis, comment ça dit au pasteur? Oh, vous voyez le maître là, ça c'est tu as commis l'erreur. Là, là, là. Ah! Cette brebis, il avait deviné le maître. When you see a sheep starting to talk about the pastor, he's going to become.
Mais on ne devient pas le maître en un jour. But we do not become the master on one day. Il faut suivre le parcours, le processus. You must follow the process. C'est pourquoi dans le foyer, le mari est le maître. That's why in the household, the husband is the master. Et la femme est l'élève. And the wife is the student. C'est le maître qui dirige. It's the master who rules. Quand l'élève veut diriger l'église, when the student want to move some, ça devient un problème. It becomes a problem. Je crois que les brebis du plein évangile me comprennent bien. I believe the sheep of the full gospel understand. Le disciple. The discipleship. L'art de former les disciples. The art of forming disciples. L'art de transmettre un enseignement solide. The art of transmitting a solid teaching. Un enseignement fondamental. A fundamental teaching. Au peuple. Unto the people. Alléluia. Amen. C'est ça l'erreur grave. Je veux dire, c'est ça qui a sauvé Socrate. This is what saved Socrates. Hugo. Dr. Hugo on the back. C'est ça qui a sauvé Socrate. That's what saved Socrates. Hugo, docteur en philosophie. C'est ça qui a sauvé Socrate. That saved Socrates. Un petit garçon comme ça, docteur en philosophie. Such a little boy. Doctor, PhD in philosophy. Amen. Et je peux dire que c'est mon élève. And I can tell him he's my student, of course. Il a écouté très bien les enseignements du pasteur Mosengo. He listened well the teaching of Pastor Mosengo. Il allait avancer. And he moved forward. Il a avancé. He moved forward. Papa, j'ai déjà la licence. Daddy, I already have the license. C'est pas terminé. It's not over yet. Papa, j'ai le master. Daddy, I have a master. Ce n'est pas terminé. It's not over yet. J'ai le doctorat. I have the PhD. Vous voyez? You see? C'est parce qu'il m'a écouté. It's because he listened to me. Pendant qu'il faisait le bac. Why he was, you know, having a. Il a cherché ses actes de naissance. He cherched all his birth certificate. C'est comme ça. Il avait ça ici à Libreville. He had that in Libreville. Cherchez rien. He searched for but nothing. L'examen c'est dans quelques jours. And the exam in a few days to Pastor, come. J'ai perdu les actes de naissance. Pastor, I lost all my certificates. J'ai dit, est-ce que ça c'est un problème? I said that's not a problem. Allez viens. Come for. Je l'impose, je me dis père. I lay hands and say father. Je veux que tu me ramènes les actes de naissance. I want to bring back the certificate of birth. Frère, les actes de naissance se sont retrouvés à Mwanda. Both of the certificate bed found themselves in Mwanda. Et pourtant c'était ici. Though they were here. Écoutez-moi bien. Listen closely. Ce diable là ne va plus voler ce qui vous appartient. That devil will never steal your stuff. Amen. Jamais. Never. Si vous me croyez. If you believe in me. Vous vivrez dans une autre dimension. You'll shift in your life. Amen. Je fais un amen. Let the church say amen. C'est ce qui a sauvé Socrate. That's what saved Socrates. Un grand philosophe grec comme Socrate. Such a good philosopher like Socrates. Il enseignait la sagesse à des multitudes de gens. He taught wisdom unto numerous people. Mais il n'a rien laissé. But he left no writings. Comme livre de référence. As books of reference books. Ne soyez pas fatigué, je suis en train de terminer. Don't be tired, I'm closing. Vous êtes avec moi? Are you still with me? Comment il est mort? How did he die? Il n'a rien laissé. He left nothing. C'est-à-dire, il a tué le disciple là. Means he killed the discipleship. Mais gloire à Dieu! But glory to God! Il n'a pas laissé le disciple là livresque. He haven't left, you know, on the book, discipleship based on the book. Mais, but le disciple là oral. He left an oral, a version oral. Et il a eu les bons élèves. And he had good students. Qui ont maîtrisé. Who mastered la pensée. The thought du maître. Of the master. Ce sont ces enfants là. There are those children. Ce sont ces élèves là. Those studies. Ce sont ces disciples là. Those disciples. Comme Platon, je crois. As Platon, yes sir. Il a dit pour ne pas tuer les enseignements du maître. C'est not to kill the teacher master. Mettons ça pas écrit. Let's write them down. C'est ça qui a sauvé.
That what saved. C'est ça qui a sauvé Socrate. That what saved Socrates. C'est ça qui a sauvé la pensée de Socrate. That what saved Socrates thought. S'il n'y avait pas les disciples, les disciples. If they had no. On ne parlera plus de lui. Talking about him no more. On aimant la main si vous me comprenez. Say amen if you understand. On n'allait pas parler de lui. We will not be talking about him. Frères et sœurs. Brother and sister. Dieu lui-même. God himself. À la pensée du disciple là. Had the thought of discipleship. Salomon. Salomon. Avait la pensée du disciple là. Had the thought of discipleship. Donnez-moi la main l'église. Can the church say amen. Moïse. Moses. N'a pas pensé au disciple là. Haven't thought of discipleship. Il faisait tout lui-même. He did everything by himself. Voyage missionnaire lui-même. Missionary trip himself. Chasser les démons lui-même. Casting the sheep himself. Un païen. A pagan. Jethro. Jethro. Il est venu le voir. Ah, Moïse. He came to see Moses. Je suis arrivé chez toi. I came to your place. J'ai remarqué que depuis le matin. I've noticed from the morning. Beaucoup de gens sont là. Many people are. Qu'est-ce que tu fais? What you doing? Je suis en train de les recevoir. I am receiving them. Et je prie pour eux. And I pray for them. Et ils viennent me consulter. And they come to check on me. Et je demande à Dieu. And I'm asking unto God. Pendant qu'ils attendent, moi, je vais à la montagne. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je descends. Je dis, frère, pour toi, ton problème, c'est. J'ai trop dit, oh mon petit, tu vas mourir. J'ai trop so kiddo, you're gonna die. Il faut appliquer le disciple là. You must apply the discipleship. Yes, sir. Toi, Moïse. Yo, Moses. Choisis. Choose. Choisis. Choose. Parmi tous ceux qui sont là, among all who are here, les gens mûrs, mature people, sages, wise, mûrs, mature. Les gens qui ne sont pas là seulement l'amour de l'argent. People who are not there only for the love of money. Pas ça. Not that. Les gens purs. Pure people. Saints. Holy. Capables de résister à la sexualité. Capable of resisting unto sexuality. Prenez-les. Take them. Établissez-les. And establish them. Sur le groupe de 10. Upon the group of 10. Le groupe de ça, 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 upon ça, the ça. Group of 15 and so and so. Hey. Damn. Vont traiter des petites choses. Within the little matters. Toi. You. Tu vas traiter les grandes choses. You will deal great things. Après. After. Et doivent prendre ce qu'ils ont parlé avec les brebis. They will take what you deal with the sheep. Si ça les dépasse. And if it's up there. Pour venir te soumettre. To come to submit to you. C'est alors que tu auras de succès. Then you will have a success. Je veux entendre un amen. I want to hear an amen. C'est ça le début de l'ordre de l'église. This is the beginning of the church order. L'ordre de l'église a été établi par un païen. The church order has been established by a pagan. C'est Jethro qui a enseigné ça à Moïse. It's Jethro who taught it to Moses. Et pourtant Moïse était un grand prophète. Though Moses was a great prophet. Il y a des choses qui l'ont échappé. There are things who escaped from Israel. Non, je m'entendrai un amen. Amen. Et après on l'a instruit pour le bien-être du peuple. And after he be taught for the well done. Maintenant remarquez. Now notice. Lorsque Moïse a appliqué ça. When Moses applied. Il y a eu 70 personnes. He had 70 persons. Qui ont été établis par-ci par-là. Who's been established all along. Mais la Bible dit. And the Bible says. Dieu. God. A pris l'esprit de Moïse. Spirit of Moses. Et il a placé ça dans les disciples. And he put within the disciples. Or Moïse. Oh Moses. Représente Jésus-Christ. Represent Jesus Christ. Et tous les autres là. And all you. Il représente les disciples. The disciples. Est-ce que je peux aller trop loin? Yes, you may. C'est à partir de ce peuple là. It's from that people. Qu'on a tiré les Lévites. That we extracted the Levites. Qu'on a tiré les sacrifices. That you have attracted the priests. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus. That's why Jesus. Quand il a choisi les disciples. When he chose the disciples. Ils étaient très nombreux. They were numerous. C'est pourquoi. That's why. Avant que les apôtres ne soient appelés apôtres. Before the apostles become apostles. Ils étaient tous appelés disciples. They were all called disciples. Et après.
But after Jésus-Christ Jesus Christ a soutiré extracted du milieu des disciples, from the midst of the disciples, il a soutiré les apôtres. He struck the apostles. Yes, sir. Qui a compris? Who understood something? C'est clair? Is it clear? Yes, it is. Enlevez le tableau. Remove the board, please. C'est clair, les hommes de Dieu. Is it clear, men of God? On va continuer avec le tableau. Et j'arrête la prédication. And I'm stopping the sermon here. Je crois que vous avez beaucoup mangé. I believe you have eaten a lot. Et ça vous a fait du bien. And it made you feel good. Amen. Amen. Nous avons des maîtres dans les arts martiaux. We have masters in martial arts. Il y a des maîtres dans les loges. We have masters in lodges. Il y a des maîtres dans la religion. We have masters in religion. Il y a des maîtres aussi dans l'instruction. We have also masters into instructions. Un élève. A student. Qui veut devenir un jour un maître. Who wanna become someday a master. Ça lui demande des sacrifices. It takes sacrifice. Il ne doit pas s'absenter n'importe comment. He must not get absent any time. Il doit être là. He must be there. Ça, je vais revenir prochainement. Next, I'm gonna come back on to it. C'est pourquoi. That's why. Il y a des élèves qui ne finissent pas la formation. We have students who do not close their training. Parce que quand on parle de la formation, because when we're talking about the training, cela ne veut pas dire que toute chose sera bien. It doesn't mean everything gonna be good. Frère, le maître, brother, the master, a le droit de vous bousculer un peu. Has the right to shake you a little. Pour voir s'il y a la patience. To see if you have the patience. Yes, sir. Amen. Amen. Comment l'aigle? Ah, comme the eagle. Va pondre ses enfants au-dessus là-bas. Gonna get his children high there. Tout autour du nid. And all around his nest. Il met les piquants. And he puts some stings. Le peuple, les enfants, les disciples sont dedans. The disciples are in the nest. Mais autour. And all around. Il met les piquants. He put some stink. Et le petit aiglon là n'a pas encore des ailes. And the little haven't got some the feather. Chair. Only the flesh. Quand il veut sortir. When he wanna get out. Tu. He got no stink. He come back. Yes, sir. Wonderful. Il veut sortir. When he wanna get out. Tu. He got stink. Il revient. And he comes down. Le maître est en train de lui montrer. The master is showing him. Vous êtes en haut dans un grand espace. Higher. Et autour, il n'y a pas la sécurité. And all around, there is no safety. Si tu commets l'erreur. If you commit the mistake. De tomber. Or falling. Tu vas mourir. You're gonna die. Vous voyez. You see. Que les épines là. Those things. C'est un moyen qu'ils reçoivent l'instruction. It's a way of instruction. Amen. Happening down on the earth. L'épine dit, je suis avec toi. The stink say, I am with you. Tu. And you know, it's stinking. Aller là-bas. When he want to go there, he's thinking, and he comes back. C'est ça la doctrine. This is the doctrine. Wonderful. Amen. Amen. C'est ça la doctrine du maître. This is the doctrine. Yes, sir. C'est ça qui protège l'église. This protects the church. Qui a compris l'église? Wonderful church. Qui a compris la loi de la reproduction? Understood the reproduction law. C'est pourquoi le prophète Branham dit j'arrête. That's why the prophet Branham says by closing. Il fallait un homme sauvé. It took a saved man. Racheté. Redeemed. Pour sauver les autres. To save the others. Yes, sir. Les parents vous ont mis au monde. Parents
gives you birth. Vous aussi, vous devez mettre au monde pour faire grandir la famille. You also, you must give birth to, you know, get the family becoming grow. C'est ça la loi de la reproduction. This is a reproduction law. Dieu m'a sauvé, moi, le pasteur. God saved me, I, the pastor. Et il a placé à moi un don. And he put within me a gift. Pour qu'au travers de moi, so through me, je puisse lui amener des multitudes. I may bring him order. Yes, sir. Vous n'avez pas vu Branham ici? You haven't seen Branham here? No, sir. Vous n'avez pas vu Jésus-Christ marcher à Ouga? You haven't seen Jesus Christ walking? C'est moi que vous avez vu. It's me that you've seen, yes, sir. Et je ne suis pas là pour hasard. And I am not there by chance. C'est que Dieu veut continuer le travail de la rédemption. It's God want to carry on the redemption work. Au travers de moi. Through me. C'est pourquoi si vous êtes convaincu que vous êtes sauvé, that's why if you are convinced that you are saved, vous devez parler de ce message-là à quelqu'un d'autre pour sauver quelqu'un d'autre. You must talk about the message about someone else to be saved. C'est ça le disciple là. This is the discipleship. Nous allons revenir. We're going to come back. On a beaucoup de choses à prêcher dessus. We got many things to say about it. Vous êtes avec moi? Are you with me? Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Oh, le cri là c'est insuffisant. Le cri là c'est insuffisant. Envoyez. Give it up, give it up, give it up. Baissons nos têtes. Lower down our heads. Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix il mourut. Je sais ce que c'était le sang pour moi. Lorsque je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Toi, Créateur des cieux et de la terre, dans la terre de tout temps, excellent et parfait. Amen. Nous te remercions, ô notre Dieu, pour ce message que tu nous as donné ce matin, Seigneur. Amen. C'est ça la foi qui a été transmise une seule fois pour tous les saints, Seigneur. Amen. Et cela consiste à croire, toi, Dieu, à travers tes serviteurs, Seigneur Jésus. Amen. Et parce que, oh Dieu, cette semence qui vient d'être semée, Seigneur, puisse produire des fruits dignes, Seigneur Jésus. Amen. Bénis, oh Dieu, l'auditoire, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur qui vient de prêcher de ta parole, roi des cieux de la terre. Recommandons, oh Dieu Tout-Puissant, notre tour entre tes mains. Oh roi des cieux de la terre, s'il y a des malades qui soient guéris, amen. Car c'est ainsi que nous connaissons que toi, Dieu, tu nous as visités, Seigneur. Amen. Pour le reste, recommandons Dieu la semaine d'entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu, tu sais que nous avons prié et demandé. Amen. Amen.